Alléluia, est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour le groupe musical? Amen. Alléluia. Amen. Réglez bien mon micro parce que ceux qui sont en direct par moment disent qu'ils n'entendent pas. Ok. Faut lever un peu. Alléluia. On va prendre nos Bibles dans Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17. Matthieu. People of God, take your Bible in the book of Matthew, Matthew 3. 16 à 17. From verse 16 to 17. 16 to 17. Matthieu. Matthew. Matthieu, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il faut le dire que c'est bon. Matthieu 3, 16, 17. Matthieu 3, 16 to 17. Je lis la parole de Dieu. I read the word of God. Dès que Jésus eut été baptisé, when Jesus has been baptized, il sortit de l'eau. He came out from the water. Et voici les cieux s'ouvrir. And beyond the heaven has been opened. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venue sur lui. Come down as a dove upon him. Et voici une voix fit entendre des cieux. And see that the voice has been heard from the heaven. Ces paroles. This word. Celui-ci est mon fils bien-aimé. This one is my beloved son. En qui j'ai mis toute mon affection. In whom I have put. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Amen. Put your hands together. Alléluia. Le thème, amen. The title, la vie de Jésus-Christ, the life of Jesus Christ, ou la vie de l'Esprit. Or the life of the Spirit. Alléluia. Amen. La vie de Jésus-Christ, the life of Jesus Christ, ou bien la vie de l'Esprit. C'est ce que nous allons voir. Écoutez-moi très bien. It's what we're going to see today. So listen to me carefully. La Bible dit, the Bible says, il y a eu un moment très important qui s'est passé. So it's been a very important moment that happened. Alléluia. Amen. Avant le baptême de Jésus, before the baptism of Jesus, Jean-Baptiste baptized people. Vous comprenez? Amen. Mais les cieux ne s'est jamais ouvert. But ils sont jamais ouverts. Open. Heaven has never been opened. Écoutez-moi très bien. Listen carefully. Mais la Bible dit, but the Bible says, quand Jésus-Christ, when Jesus Christ, quand Jésus, pardon, when Jesus, quand il a été baptisé, les cieux, baptized heavens, on n'a pas dit le ciel est ouvert. We didn't say the sky has been opened, but we say heavens. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Can a child of God put his hand together for the word of God? On n'a pas dit le ciel est ouvert. We have not said the sky, but we say the heavens. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'entre le ciel et la terre, il y a les cieux. Between the sky and heaven, there is between the sky and earth. Vous comprenez ce que j'ai dit? Do you understand what I'm saying? Écoutez-moi bien. Listen carefully. Quelque chose de fondamental s'est passé. A basic. Et la Bible dit une voix fit entendre du ciel. The Bible says the voice has been heard from the heavens. Et dit celui-là est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toutes mes mon affection, beloved toute ma plénitude. In whom I put all my trust, all my vous comprenez fullness, ce que j'ai dit? Amen. Comment se fait-il? How come that? Que avant lui, that before him, il y a eu des personnes qui ont été baptisées. Many people have been baptized, mais les cieux, but heavens have never been opened. Mais regardez, but la Bible déclare que quand il a été baptisé, when he has been baptized, les cieux sont ouverts. Heaven have been et le Saint-Esprit est descendu, c'est pas ça? Has come down. Alléluia. Amen. J'ai dit alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est descendu. Et quand il est descendu, il est descendu sur lui, pas en lui. Came down, he came upon him, but not in him. Amen. C'est pas descendu en lui. He did not come into mais him, lui. But upon him. Parce que, because avant la Pentecôte, before the Pentecost, l'Esprit de Dieu ne pouvait pas habiter en quelqu'un. The Spirit of God could not live in anybody. No. Alléluia. Amen. C'est après
La Pentecôte, que le Saint-Esprit after the Pentecost, that the Holy a habité dans l'homme. Started to live in man. Écoutez-moi bien. Listen carefully. Et la Bible dit, les cieux sont ouverts. Heaven have been opened. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et Dieu a dit, celui-là, suivez-le, que c'est lui que j'ai envoyé. J'ai mis en lui toute ma plénitude, toute mon affection. Vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Vous comprenez? Amen. Et on va lire un autre verset. I will read another verse. Vous allez comprendre les cieux qui sont, les cieux là c'est quoi? That what is really the heavens? What the heaven means? Luc 4, 14, 15. Luke 4, 14 to 15. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues. Il était glorifié par tous. Vous comprenez? Jésus, revêtu du Saint-Esprit, la Bible déclare que sa renommée a pris partout. Le Saint-Esprit n'est même pas mué. Mais sur lui, on ne reconnaît plus Jésus. We could not even recognize Jesus. Et il enseignait quoi? And he taught il enseignait what? Où ça? Il enseignait où ça? Mais qu'est-ce qu'il enseignait? Where did he teach? And what did he teach? Regarde. Look at. Jésus est baptisé. Jesus is baptized. Les cieux s'ouvrent. Heaven le Saint-Esprit vient the Holy Spirit comes sur lui. On him. Il retourne en Galilée. On ne le reconnaît plus. We don't recognize him anymore. Et toi, and you, tu dis que tu es baptisé. You say you tu as le Saint-Esprit. You have the Holy Spirit. Et puis tu es comme quand tu étais païen. You are still like when you was pagan. C'est comme toi me dis. It's like you will tell me. Il y a eu un incendie dans notre quartier. Been fired in my ma maison, tout est brûlé. All my et puis je m'en vais. Burnt, ta maison n'est pas brûlée. Tu mens, c'est pas brûlé. See your house not burnt. Ce que Dieu dit ici, là, what God says here, c'est pas science-fiction. It's not a cartoon. Tu as le Saint-Esprit. Fiction ta vie change. If you have the Holy Spirit, your life immediately change. Mais la Bible dit, les cieux s'ouvrent. Heaven are opened. Les cieux s'ouvrent. Heaven are opened. Les cieux, c'est quoi? But what is then the heavens? Quand Dieu parle des cieux, les cieux when s'ouvrent, God c'est quoi? Speaks of the heaven here, what does it mean? Vous comprenez? Do you la Bible déclare que le premier jour, Dieu a créé quoi? Les cieux et la terre. Day, God created world, c'est ça? Heaven and earth. Le deuxième jour, il a créé quoi? Second day, created world. Hein? Il a créé au septième jour, non? Au sixième jour, non? Premier jour, il a créé quoi? Les cieux de la terre. Il faut me lire. Il faut prendre. Genèse. I want Genesis. Écoutez-moi bien. One. In the beginning. Ah ouais. Au commencement, Dieu créa les cieux. La terre. Oui, allons-y. La terre était informe et vide. Oui. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Oui. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oui. Dieu dit oui. Que la lumière soit. Oui. Et la lumière fut. Oui. Dieu vit que la lumière était bonne. Oui. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Oui. Dieu appela la lumière jour. Oui. Et il appela oui. Les ténèbres nuit. Oui. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin. Oui. Ce fut le premier jour. Oui. Dieu dit qu'il y avait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Oui. Et Dieu dit, et Dieu fit l'étendue. Oui. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue. Oui. D'avec les eaux qui oui. Sont au-dessus de l'étendue. Oui. Et cela fut ainsi. Oui. Dieu appela l'étendue ciel. Oui. Ainsi, il y avait eu un soir oui. Et il y eut un matin, oui. Ce fut le second jour. Oui. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu oui. Et que le sec paraisse. Oui. Et cela fut ainsi. Oui. Dieu appela le sec terre oui.
et il appela la masse des eaux mer. Oui. Dieu vit que cela était bon. Oui. Puis Dieu dit, oui, que la terre produise de la verdure, oui, de l'herbe, oui, portant de la semence, oui, des arbres fructueux, oui, donnant du fruit selon leur espèce, oui, et ayant en eux leur semence sur la terre. Oui. Et cela se fut ainsi. Oui. La terre produisit de la verdure, oui, de l'herbe portant de la semence, oui, selon son espèce, oui, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Oui. Dieu vit que cela était bon. Oui. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le troisième jour. Oui. Dieu dit, oui, qu'il y ait des luminaires, oui, du ciel, oui, pour séparer le jour d'avec la nuit. Oui. Que ce soit des signes pour marquer les époques, oui, et les jours et les années. Oui. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, oui, pour éclairer la terre. Oui. Et cela se fut ainsi. Oui. Dieu dit, oui, les deux grandes luminaires, oui, le plus grand luminaire pour présider au jour, oui, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Oui. Il fut aussi les étoiles. Oui. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel, oui, pour éclairer la terre, oui, pour présider un jour, oui, et à la nuit, oui, et pour séparer la lumière d'avec ténèbres. Oui. Dieu vit que cela était bon. Oui. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Oui. Ce fut le quatrième jour. Oui. Dieu dit, oui, que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, oui, et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Oui. Les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent, oui, en abondance selon leur espèce. Oui. Il créa aussi tout oiseau ayant ailé selon son espèce. Oui. Dieu vit que cela était bon. Oui. Dieu les bénit, oui, en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers. Oui. Et que les oiseaux multiplient sur la terre. Oui. Ainsi, il eut un soir, oui, et il eut un matin. Oui. Ce fut le cinquième jour. Oui. Dieu dit, que la terre produise des animaux vivants, oui, selon leur espèce, oui, du bétail, oui, les reptiles, oui, des animaux, oui, terrestres, oui, selon leur espèce. Oui. Et cela se fit ainsi. Oui. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, oui, le bétail, oui, selon son espèce, oui, et tous les reptiles de la terre. Oui. Dieu vit. Oui. Puis Dieu dit, oui, faisons l'homme à notre image, oui, selon notre ressemblance, oui, et qu'il domine les poissons, oui, de la mer, oui, sur les oiseaux du ciel, oui, sur le bétail, oui, sur toute la terre, oui, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Oui. Dieu créa l'homme à son image, oui, et il le créa à l'image de Dieu. Oui. Il créa l'homme et la femme. Oui. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et, oui, assujettissez, oui, et dominez sur les poissons de la mer, oui, et sur les oiseaux du ciel. Oui. Et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Oui. Dieu dit, oui, voici, oui, je vous donne toute herbe portant de la semence, oui, et qui est à la surface de toute la terre, oui, et tout arbre ayant en lui du fruit de d'arbre, oui, en portant de la semence, oui, ce sera votre nourriture. Oui. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, tout ce qui se meurt sur la terre, oui, ayant en soi un, oui, souffle, oui, de vie. Oui. Je donne toute herbe verte pour nourriture et cela se fut ainsi. Oui. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Oui. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Oui. Ce fut le sixième jour. Oui. Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Ainsi fut achevé quoi? Donc, il y a combien? Les cieux, il y a combien? Il y a six. So how many heaven have there? Vous voyez? Vous voyez? Donc, celui qui a créé les cieux et la terre, là. Hein? So he that created heaven and earth. Celui qui a créé les cieux et la terre, par le Saint-Esprit, il est venu. C'est pas ça? Maintenant, le Saint-Esprit maintenant vient confirmer sa royauté, sa royauté, sa puissance sur la terre. Ils sont obligés de s'ouvrir. His royalty, his power on the earth. So when the Holy Spirit comes, they are obliged to follow him. Ils sont obligés. They are obliged. Ils sont obligés. They are obliged. Il y a six cieux.
There are six heavens. C'est pas ça? Six. Il y a six. Heavens. Six heavens. Donc, quand Jésus-Christ, so when Jesus Christ, quand Jésus dans l'eau, il sort. When Jesus in the water comes les cieux out, sont obligés. Heaven are obliged. Sont obligés. Heaven are de s'ouvrir. Et le Saint-Esprit vient. Open. Quand il vient là, il pose sur lui. La Bible déclare que sa renommée. Donc, le Saint-Esprit qui a créé les cieux et la terre, il choisit son fils. Vous comprenez ce que j'ai dit? Et il reçoit, il ne rentre même pas en lui, il reçoit la couverture spirituelle. Dès qu'il se déplace, il va où il était avant, on ne le reconnaît plus. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Mais qu'est-ce qu'il fait? Que Jésus-Christ, sa renommée est devenue autre chose. Qu'est-ce qu'il fait ça? C'est le Saint-Esprit. It is the Holy Spirit. Regardez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Dans les six cieux. Dans les six cieux. Les six cieux que Dieu a énumérés ici. Et qu'il a créés là. C'est, on a besoin des éléments de ces six cieux-là pour vivre sur la terre. We need the holy element of vous comprenez ce que je dis? To live on the earth. Il y a eu le bois, c'est ça? Il a créé le bois. We il y a eu l'or. Wood. Il y a eu le diamant. Tout ce que banane, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Banana, vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, quand Jésus, il reçoit le Saint-Esprit, il reçoit l'onction. Quand il reçoit le Saint-Esprit, il reçoit l'onction. Donc, l'onction qu'il reçoit fait de lui un homme à part. Jésus-Christ, il était charpentier. D'abord, donc Jésus reçoit, il reçoit l'onction. The anointing, vous comprenez? Son intelligence. And his en ce qui concerne la menuiserie a changé. Now, carpenting has changed. C'est-à-dire qu'on ne reconnaît plus l'enfant Jésus sans Saint-Esprit. Maintenant avec le Saint-Esprit, il est devenu maintenant un ingénieur au père. Like c'est-à-dire que Dieu l'a mis à part. Vous comprenez? Like sinon, il était menuisier. If not, he was mais carpenter. Personne ne parlait de lui. Nobody was talking about mais il reçoit le Saint-Esprit. Il devient autre chose. Mesdames et messieurs, vous pensez que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, s'est tombé, crié, prophétisé. La Bible dit, Jésus-Christ, il reçoit le Saint-Esprit. Il retourne où il était. On ne le reconnaît plus. Qu'est-ce qu'il enseignait? Il enseignait, la puissance du Saint-Esprit. Il enseignait l'onction. Que si tu as le Saint-Esprit, quand tu n'avais pas, si tu vendais les galettes, tu étais une femme ordinaire. Mais dès que Dieu t'appelle, tu deviens son fils ou bien sa fille. Quand tu reçois le Saint-Esprit, ta manière de vendre les galettes change. Your way of selling your donut change. Vous comprenez ce que j'ai dit? Tu es un planteur d'anacard. Tu étais un féticheur. Mais quand tu reçois, quand Jésus t'appelle et que il rentre en toi, regardez même maintenant il rentre en toi. C'est encore plus. Plus important. Quand il rentre en toi, le planteur dans la requête que tu es, now, les gens te reconnaissent plus. You, farmer, that you was, people that don't vous comprenez ce que j'ai dit? Anymore. Donc, mesdames et messieurs, so, ladies and gentlemen, quand on vient à l'église, when we come to the church, contrairement à ce que les gens font, les fidèles font dans les églises, ils sont en train de jeûner, prier, tomber ici, alors que leur vie ne change pas. On n'entend même pas parler d'eux. Si on parle d'eux, c'est de manière négative. Parce qu'ils pensent que le Saint-Esprit est venu pour attraper sorcier. Il est venu pour chasser le démon. J'ai oublié une chose. Je vous donne une puissante révélation. Alléluia. Amen. Chasser un démon n'est pas un combat spirituel. Cast out a demon is not a spiritual fight. No. C'est pas un combat. Quelqu'un te donne le pouvoir et dit à mon nom vous chasserez les démons. C'est pas un combat. Somebody will give you power saying that in my name you cast out a demon. It's not a fight when you cast out a demon. Un combat, ça veut dire que toi tu lances lui il lance. Ou bien c'est pas ça. Ou bien vous ne regardez pas les jeux olympiques. Adversary also pull it. Or you know. Le combat des boss là quand tu lances lui il lance. Oh lui il peut pas lancer. Boxing fight, tu dois le chasser. Donc chasser un démon n'est pas un combat spirituel. So,
casting out the demon is not a spiritual fight. Vous comprenez? Do you understand? Et Jésus nous a donné l'exemple du combat spirituel. Vous comprenez ce qu'il a dit? Spiritual fight. Vous comprenez? La Bible déclare qu'il était revenu du Saint-Esprit, il allait dans le désert. Et le diable est venu, c'est pas ça? Quand le diable lui dit, ça dit, la parole dit, Dieu dit, c'est pas ça? Il est écrit. C'est ça qui est le combat spirituel. What is called a spiritual fight. C'est pour ça qu'il dit, le combat auquel vous êtes confronté n'est pas un combat contre la chair et le sang. Mais c'est la domination, tout ça. Il dit prenez quoi? Le casque du salut. Donc quand le diable vient pour te dire, non, Dieu m'a sauvé, toi tu peux me faire. On ne lance pas des machettes, on ne lance pas des dabas, on ne lance rien. Le combat spirituel, c'est parole contre parole. C'est ça qui est le combat spirituel. Sinon, chasser un démon, ce n'est pas un combat spirituel. If not cast out demon, it's not a spiritual fight. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Donc vous voyez? Vous voyez? Donc quand on vient à l'église, contrairement à ce que les gens nous ont menti, par ignorance, je ne les condamne pas. Parce que moi aussi, je faisais comme eux. Mais aujourd'hui, Dieu m'a sauvé. Vous comprenez? Quand tu reçois le Saint-Esprit, si tu étais un planteur de cacao, ton champ devient autre chose. Sous la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu te, c'est-à-dire que le Saint-Esprit te donne une onction pour faire produire ton cacao. Your spirit gives you another anointing to make produce your cocoa. Vous comprenez? Amen. Si tu vends les habits, quand tu reçois le Saint-Esprit, le Saint-Esprit te donne une onction pour que tes habits marchent. For your clothes to work, to mesdames et messieurs, frères et sœurs, si vous savez que tous les domaines d'activité dans lesquels vous êtes, si aujourd'hui vous entendez le son de ma voix, cette vérité, dire que to say that, donner l'onction pour que ton commerce marche, c'est le Saint-Esprit. Tu as plus venir à l'église pour te marier. Tu as venu pour celui qui peut te faire évoluer dans la vie. Écoutez-moi très bien. Moi, je vous ai toujours dit, si tu vois le fétiche, si tu vois les œuvres du diable, c'est qu'il y a l'origine quelque part. Comment se fait-il qu'il y a des gens, il y a des commerçantes, il y a des commerçants, il y a des planteurs, il y a même les fonctionnaires, ils vont voir les démons par l'entremise des féticheurs, des marabouts, pour qu'ils leur donnent un petit talisman. Pour qu'ils aient des promotions. Pour que leur commerce marche. Tout cela. Mais c'est l'onction. It's because of the anointing. C'est l'onction. It is the anointing. Peut-être que ça vous choque. Maybe it can mais shock you. Satan n'est pas mauvais à 100%. It can shock you. I'm telling you that Satan is not bad as 100%. Ils sont choqués. The people of God is shocked. Quand Satan était avec au ciel, il était le maître de la loi et l'adoration. Il était mauvais. Leader. Il s'appelait comment? Lucifer. Non. Worship hein? And the praise. Non, Lucifer n'est pas mauvais. Lucifer. So Lucifer was not bad. Alléluia. Ouais. À quel moment il a eu son statut de bien et le mal? Quand il était au ciel, il faisait du bien. Mais quand il a péché contre Dieu, en voulant s'égaler à Dieu, l'orgueil est rentré en lui. C'est là qu'il a eu son côté mal. Il n'est pas mauvais à 100%. Et c'est pour cela qu'il ne peut pas faire autrement que de marcher selon le don qu'il a reçu de Dieu. Premièrement, il était Lucifer, il était bon. Deuxièmement, il était mauvais. Donc quand il vient vers toi là, il pourtant, s'il le veut ou pas, il présente son côté bon là d'abord. Vous voyez? Mais il ne va jamais te dire qu'après il va te tuer. Qui est fou? Vous comprenez ce que j'ai dit? Il ne va jamais te dire ça. Satan will never tell it to you. Et c'est ça qui vous trompe. It's what deceive you. Je prends un exemple. Quand tu sois avec un homme marié, dans le premier temps, c'est parce qu'il sait qu'il a un challenge. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il paye ta maison, so il fait les trucs, tout ça. Quand il voit maintenant qu'il a vu une autre femme ailleurs, il s'en va. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il est mauvais 100%? Il a vécu avec toi 2 ans, 3 ans, il t'a fait du bien. Maintenant il t'a mis goumet.
C'est le gouvernement qui est mauvais. But is it for that he's mais est-ce que Satan est mauvais à 100%? Il n'est pas mauvais à 100%. Et c'est ça que les rédoucteurs, les francs-maçons et les fausses églises utilisent pour vous avoir. Alléluia. Or Jésus, c'est la vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Vous comprenez ce que j'ai dit? Est-ce que vous comprenez bien ce que j'ai dit? Donc, regardez Jésus-Christ. So look at Jesus Jésus Christ. Reçoit le Saint-Esprit. Jesus received the Holy Spirit. Saint-Esprit n'est pas en lui. It's not even in him. Sa renommée partout. But upon him and his et vous êtes ici, vous me regardez à la télé. Vous êtes you ici. Are here watching me vous avez dit que vous avez le Saint-Esprit. Place, et votre vie ne change pas. Et nous qui avons le Saint-Esprit. Et que Dieu nous bénit. Et puis on dit non, c'est le diable. Non, son argent n'est pas propre. Bon, pourquoi il est propre là? C'est parce que vous êtes ignorant. Car le Saint-Esprit, qu'il le veut ou pas, sa vie change. Mais c'est pour cela que Nicodème pourrait demander, mais est-ce qu'il peut sortir de Nazareth quelqu'un qui est bon? That's why Nicodemus can ask, can somebody could come from Nazareth? Arrêtez les prières que Dieu n'écoute même pas. Prayers that God does not even listen. Combien d'années l'église n'a pas prié? How many years the church has not prayed? How many mais regardez, regardez comment les gens se moquent. How people mock them. Mais votre serviteur que je suis en toute humilité, les gens me respectent. Ceux qui passent, mais ils sont jaloux. Tell you people respect me. Je n'envie personne. I don't envy anybody. Je vous dis la vérité. I'm je n'envie personne. I don't envy anybody. Nous sommes un modèle. We are the role model to follow. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Mon papa ne m'a pas reconnu. Ma mère est morte pauvre. Et tout le village sait que je viens d'une famille pauvre, quand bien même que ma grande famille est riche, mais notre entité là, nous on était pauvres. Parce que regardez, tu peux prendre un pied d'arachide, tu l'enlèves. Hein? Il y a beaucoup de... C'est que les arachides sont dedans là. Hein? The tub of peanuts. Tu vois, non, quand tu enlèves l'arachide, le pied d'arachide, c'est la reine mère. Hein? C'est like la maman. Mais dans chaque coque, il y a arachide. Vous comprenez ce que je dis? Donc, ma famille était riche. Mais nous, dans notre coque, on était pauvres. Vous connaissez, par moment, tu vois les arachides là. Par moment, quand tu ouvres d'autres là, c'est rempli. D'autres même là, c'est petit. C'est comme ça que ma famille était. Mais quand Christ est rentré à moi, mon histoire a changé. Je n'ai pas jamais prié. J'ai cru en ça. Et donc, il se pose la question, est-ce que de Mbana Mankra, quelqu'un de riche peut sortir de là-bas? Non, de Mbana Mankra, personne ne peut sortir de bon là-bas. Mais quand tu reçois la grandeur, tu deviens grand. Vous comprenez ce que j'ai dit? Vous comprenez ce que j'ai dit? Mesdames et messieurs, regardez la révélation. Jésus, sur la terre, il a vécu 30 ans. Est-ce que la terre le reconnaît? Est-ce que les étoiles le reconnaissent? Parce qu'il lui manquait quelque chose. Mais, baptême, que les cieux veulent ou pas, ils vont s'ouvrir. Les six vont s'ouvrir. The six heaven will vous comprenez? Open us. Vous comprenez? Now the new frame. On dit qu'il y a les étoiles, non? On dit, vous allez les étoiles aussi, ils ont un ciel. C'est pas ça? Mais le jour qu'il est né, la Bible déclare que les rois de mages, ils ont vu son étoile, ils sont venus l'adorer. The Bible says the magician has seen his star and came. Quelqu'un entend le son de ma voix? Somebody's hearing the sound of my voice. Regardez. Look at. C'était pas encore ouvert. It was not ils sont venus l'adorer. But they came to worship him. Mais le jour but the day où il a été baptisé, he has been baptized, c'est là que toute la communauté céleste, all the céleste dit, bon, nous on s'ouvre pour venir te servir. He said, we have come running to come and vous comprenez serve ce que j'ai dit? Amen. Donc, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, so somebody who has the Holy Spirit, toute la créature, the world creator, le sait. C'est pour cela que la Bible dit, that's what the Bible la says, création toute entière, the world creation, attend qui? Is expecting la révélation the revelation des fils de of Dieu. The mais qui va nous révéler? Reveal c'est le Saint-Esprit. It is the Holy Spirit. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit est quitté au ciel,
Les cieux lui ont demandé, mais chef, tu vas pour qui? Il dit, non, je le fais pour le Fils de Dieu. For whom are you going? En même temps, il dit, passe. So immediately they opened the way for him and he went. The voice from the heaven has been heard, saying, this one is my beloved son, in whom I've put all my trust. Mesdames et messieurs, la Bible déclare que tous ceux qui ont le Saint-Esprit sont quoi? Mais le jour que tu as été baptisé et que tu as reçu le Saint-Esprit, les cieux se sont ouverts, non? Did the heaven open? Yes. Oui, non? Donc quand quelqu'un me dit, j'ouvre les cieux sur vous, maintenant. So when a man of God comes to you, say, open the heaven to you. Et c'est pas quelqu'un qui ouvre. It's not anybody who can open, but it's the Holy Spirit himself. Vous voyez? Vous êtes dans l'ignorance. You are ignorant. Moi aussi, en toute humilité, j'étais dans l'ignorance. Parce qu'on a hérité du vieux enseignement. Et regardez, écoutez-moi bien. La Bible dit que quand il a reçu l'onction, ça a renommé partout. Il est devenu grand menuisier maintenant, c'est ça? Il est un menuisier au pair. C'est-à-dire qu'il peut faire une salle comme ça. C'est-à-dire que de 50 mètres, il n'y a pas de piliers. Oui, mais comment tu fais? Dis, c'est le menuisier des menuisiers. Vous comprenez? Maintenant, il va maintenant pour enseigner dans les synagogues. Donc quand on vient à l'église là, on vient vous enseigner la vie. Comme je suis en train de vous enseigner la vie aujourd'hui. Ce n'est pas pour tomber. Ce n'est pas pour tu t'attends pour tomber. Tu vas aller au ciel. Dieu lui, bon. Aller au ciel sans rien avoir. J'ai dit à quelqu'un à partir d'aujourd'hui, ton école elle devient prospère. J'ai dit à quelqu'un, ton commerce devient prospère. Ton travail devient prospère. Tes études, tu es au-dessus de tout le monde. Vous voyez, donc l'onction, c'est ça. So that is the anointing. Si moi, je sais que si je suis d'accord avec le Saint-Esprit, I agree with the Holy Spirit, il va ouvrir les portes pour moi. Will open doors for me. Il va ouvrir les cieux pour moi. Will open mais je ne peux me. Plus le frustrer. I can no more frustrate him. Et si je sais que le Saint-Esprit va ouvrir les cieux, if I know that will et open parmi heaven, tout ce monde-là, il va envoyer mon mari, moi, je reste tranquille. So I stay quiet. Je reste tranquille. Si on vous a dit, ils vont prophétiser si vous allez vous marier. If you have been saying we prophesy on you for marriage, vous allez atteindre la prophétie. So you expect that prophecy? The false prophecy. The wrong prophecy. La création tout entière. Say the world creation. Attends quoi? Is expecting. Vous comprenez ce que j'ai dit? Do you? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? So put your hands together. Jean 16, 12, 14. John 16, 12 to 14. John 16. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera de Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Alléluia. Amen. Donc, écoutez-moi bien. La Bible dit que Jésus, il reçoit le Saint-Esprit, non? Ça renommé partout maintenant, il devient un homme au Père. C'est pas ça? Il a enseigné. Donc il a dit que il faut que je m'en aille pour que le Consolateur vienne. The helper may come. Parce que maintenant là, si je vous enseigne là, vous allez oublier. If I teach you now, you will forget. Vous ne pouvez pas supporter. You cannot be able to Mais support. Donc, la vie de l'Esprit. So the life donc of le Saint-Esprit là, the Holy Spirit, indépendamment de ce que quand il vient dans notre vie change. Depending how qu'est-ce qu'il fait? Life, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans what notre the Holy vie? Spirit does again quel est in our le but? Life? What is his purpose? Parce qu'on dit non, le Saint-Esprit, parce que tout, on vous a contenté de quelqu'un, il a le Saint-Esprit, et il doit tomber, il doit sentir, il doit somebody who have received the Holy Spirit to fall or to shake. Donc quand tu viens à l'église, quand les gens tombent, ça fait 2 ans, 3 ans, les gens tombent, toi tu tombes pas.
C'est-à-dire que Dieu ne t'aime pas. Years, mais regarde la vie de ceux qui tombent. Sister and brother in church falling down during the anointing moment. Moi you don't aussi, j'étais comme eux. You don't j'étais receive the Holy Spirit. I too was like mais them. Un jour, Dieu m'a fait, et j'ai lu ce passage de Paul. Mon but est de le connaître. A passage of Paul saying, parce que je dis que Dieu n'est pas le problème. Because I realize that it's not vous comprenez ce que j'ai dit? Do you understand le livre de mathématiques n'est pas le problème. The mathematics book si je n'arrive pas à avoir les bonnes notes, c'est parce qu'il ne comprend if pas. If I can't get a good mark, it's because I don't understand properly the subject. Le livre de physique n'est pas le problème. Le livre d'espagnol n'est pas le problème. Si je n'arrive pas à avoir les bonnes notes, c'est parce que je ne comprends pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont 28, 20, plus 2. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, écoute ma voix qui vient de l'Esprit de Dieu. Le problème, il ne faut pas accuser quelqu'un. Le problème, c'est ton ignorance. Aujourd'hui, tu apprends. Today que you hear le charbon que tu vends, the car you que sell, les mangues que tu vends, the mango you sell, que les routes que tu fais en tant qu'entrepreneur, ton entreprise, the road you tu sais maintenant que ton entreprise a besoin d'une onction. Et pour que cette onction te dégage de ton entreprise, tu as besoin de respecter le Saint-Esprit. C'est tellement simple comme de l'eau à boire. So simple as drinking water. Et il est en toi. Il dit, il faut me respecter. He say, respect me. Ouais, non. See, les gens nous ont blagué. People have deceived us. Et au point où il y a des gens qui disent, moi, je n'ai jamais senti le Saint-Esprit. C'est faux. Believers say, I've never il est en felt toi. The Holy je voudrais vous dire aussi également que le Saint-Esprit n'est pas n'a pas de sentiments. I want to tell you also that il n'est pas sentimental. Not, any feelings. Le Saint-Esprit est oui, amen. For him is yes and amen. Vous comprenez ce que j'ai dit? Il dit quoi? What does he say? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. But he cannot bear them now. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, come, the il vous conduira truth, dans toute you, la vérité. He will lead you in all the truth. Donc, le premier rôle du Saint-Esprit, so the c'est quoi? Role of the Holy Spirit c'est de nous conduire où ça? It is to lead us in the truth. Vous comprenez? Do you understand? Vous comprenez? Do you understand? La vérité est différente de la réalité. The truth is different from ça, the reality. J'étais à Boaké en 93. I was in the city of Dieu Boaké m'a dit, mon fils, je te bénirai. Tu seras un grand serviteur de Dieu. Tu prêteras aux nations et tu n'en prêteras point. 93. C'est en 2002. Que Dieu m'a choisi 93, pour le servir. But just in 2002, c'est pas ça. God had chosen mais tout ce temps-là, him, but during all that time, j'étais un mendiant. I was a beggar. La réalité, j'étais un mendiant. The reality, mais la vérité, I was a beggar. J'étais but riche. The truth, I was rich. Écoutez-moi bien. Listen to me carefully. De 2002 from jusqu'en 2000, je sais pas combien. To, until I don't know each au point où year, ma fille Noé ne partait pas à l'école. J'étais serviteur. Dieu m'a dit en 93 que j'étais riche, que je prêterais, que je n'en prêterais point, que je prêterais aux nations. Vous savez pourquoi je vous ai dit que moi je ne prends pas crédit là, non? Parce que j'ai essayé, Dieu m'a humilié. Because I've tried to take a loan to with the j'ai oublié, j'ai oublié Deutéronome 15 là. I forgot Deuteronomy 15. Quand j'ai dit que moi je ne prends pas crédit, toi et moi on n'a pas la même chose. Moi, il m'a dit de ne pas prendre crédit. Toi, tu peux prendre crédit pour développer tes affaires. Toi et moi, on n'est pas la même chose. You can take to non, papa, develop bon, your business. Papa dit qu'on ne prend pas crédit. Moi aussi, je ne prends pas crédit. Ok, d'accord. Si c'est papa qui est mort à la croix. Because I said it, you will not take the loan. No, I never said vous that. Vous aimez ça. Vous aimez ça. Moi, il m'a dit de ne pas faire. J'ai fait, il m'a humilié. It's me, he taught mais toi, me toi, that toi et moi, on n'est pas la même chose. I did it and you humbled puisque, me. So puisque you a, and vous savez, vous savez, you know, vous savez, you know, quand Dieu te parle et puis tu es bandit, j'étais bandit comme moi là. Tu sais, vous avez le verset que j'ai employé. Dieu donne au méchant pour donner au juste. Donc tu vois, non, donc il m'a pris crédit. C'est-à-dire qu'il m'a dit de ne pas prendre, non. Et puis le verset là, le diable me dit, mais il dit qu'il donne aux méchants, c'est les méchants, ils ne connaissent pas le Seigneur. Et so tout ça. Donc il faut aller prendre. J'ai apprécié la juste valeur. So when I tried, I really appreciate what God did to me. Mais à toi, il dit, demander, on te donnera. But for you, he say, ask, it will be given to you. I say to you. Chacun a son histoire avec Dieu.
Each believer faut pas prendre mon histoire, hein. History with faut God. Pas prendre une histoire. Don't take fermer ta société là. Mind history. Faut pas. If you consider only my history, your company can be fired. Un jour, j'ai prié jusqu'à. Il dit arrête de prier là. I found I've been humiliated. One day I quand c'est comme ça, tu fais comme tu connais pas. Prayed a lot. Vous savez, il y a quand Dieu te gronde là. C'est, je sais pas. Dieu vous a une fois grondé. Je crois pas. Rumble you? Did God rumble you one day? Si vous allez une fois vous glorer là, quand il parle ici là, normalement vous devez vous plier. If you want the rumble, la dernière fois, j'ai dit que à chacun d'entre vous, 1000 francs pour offrir le ministère. Dimanche passé, offrir le ministère, 200 combien? 276 000. Moi, je donne 50 000. C'est-à-dire que vous n'avez pas envoyé l'argent. C'est parce que vous ne connaissez pas Dieu. Regardez, j'ai autre chose. C'est Dieu qui me parle. It's God who speaks to me. C'est-à-dire que 276 000, moi, envoyé 50 000. Donc, vous allez donner combien? 226 000. Et ça, c'est normal. Amen. Avec tout ce que Dieu fait, bon, je mets mes enfants à l'école comment? Moi-même, je mange comment? Et puis, les gens que j'aide comment? So, normally, if I have to expand. Soyez gentils envers moi. That money moi, je ferme you, la parenthèse. Quand on va faire les offrandes, je vais vous parler. Donc, c'est pas gentil. C'est la fin du mois. Ou bien, le président ne vous a pas payé? Vous voyez les enfants, je vous dis une chose. So I tell you one thing, donc, children. Quand tu as le Saint-Esprit là, so when you receive the Holy Spirit, tu es le plus béni sur la terre. You are the more blessed on the earth. The more blessed. Il va te conduire dans la vérité. Because he will lead you in the truth. La vérité, the truth, c'est que Dieu a dit que Mme Malangba va faire des jumeaux. Ça, c'est la vérité. Mais la réalité, elle n'a pas encore les jumeaux. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne va pas faire les jumeaux. But the reality, she has not a twin. La vérité, c'est que Dieu m'a dit à Boaké en 93, qui va me rendre grand tout cela. Au point où j'ai dit à mon oncle, il m'a dit non, c'est la divination. In the city of Boaké, God revealed me that he is. Voilà aujourd'hui, est-ce que c'est divination? I said it to my uncle. He told me that it was the spirit of divination. Vous comprenez ce que j'ai dit? Talking to me, but look at today. Vous comprenez? Donc moi, je vous demande pardon. So I beseech you. Moi qui suis là, I, that he's here, je ne blague pas quelqu'un. I don't deceive anybody, no. Si Dieu m'a dit, if God mon told fils, me, my tu seras son, ça. You will be this. Just be. Qu'est-ce qu'on constate? What do we notice? Quand Dieu te donne la vérité, when God gives you the quand truth, le diable envoie la réalité, and the tu doutes. Bring the reality, you doubt in the truth of God. Or le Seigneur dit, but the Lord says, celui qui doute, il est comme quelqu'un, like, il est irrésolu. Il ne faut pas qu'il s'attende de Dieu people, quelque chose. Let him not expect anything from God. Vous voyez, non? Do you see? Vous comprenez? Donc, il nous annonce quoi? La vérité. So as first, he il dit qu'il va nous conduire dans la vérité. Il n'y a pas de vérité en dehors de la parole de Dieu. There is no truth outside of the word of God, no. Alléluia. Amen. J'ai dit alléluia. Dieu donne un semblant de vérité. I give the likeness, quand tu vas voir le when you go to see Dr. Akun, Dr. Kwame, the medical doctors, Dr. Ashi, Dr. Jean-Marie, comme ma fille, elle est grillée. Medical doctors, 40 degrés, tout ça. Like you have favor or you're sick. Quand on prescrit les médicaments, ou bien on met le sérum. Dans les premiers temps, la réalité, c'est que tu continues de grignoter. Mais la vérité, dans une heure de temps, favor, cette maladie va disparaître. But the truth, in 1 hour, où est la différence maintenant? Sickness will disappear. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu dors dans le cycle au bois que tu n'es pas riche. Because today you sleep in the wooden house that you are not rich. Écoutez moi, une samouyaki, tage ngankele, amtié, amdisu, samadiasu, amorao. Il dit quoi? Et on dit quoi? He says what? Dans la, et puis il va faire quoi? Lead us in the il va annoncer quoi? And eh? Will announce. Eh? Il va nous faire, il va faire quoi? Il va annoncer quoi? Attends, Yali. Ébratien. Verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de moi. J'étais à moi. Attends. Non, c'est pas ça.
Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Quand il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Les choses à venir. C'est pas ça. So after leading you in the truth, he announced you the thing to come. Est-ce que quand le Saint-Esprit m'a parlé là, il a dit que Madame Lamba, voici le bébé. Il a dit tu vas faire enfant. Spoke to me, did he say? Il n'a pas annoncé. You have the baby. No, mais il dit que c'est la vérité. Announcing that she will have the baby, but he said that what he has not announced is the truth. Dieu veut simplement te dire qu'il va te donner cette chose là. C'est pas aujourd'hui, c'est dans le futur. God just want to tell you that what he announced that he will give you something is not for just right now, but it's in the future. Donc so les circonstances ne font rien à ça. So the circumstances are wrong. He does not care. Lui fait rien avec la. Lui fait rien avec la réalité. He does not care about the reality that happened. Lui marche sur la vérité. Et il te dit va annoncer les choses. Then he said we'll announce the thing to come. Ouais, non. Donc, mais si vous connaissez le statut du Saint-Esprit, comment il fonctionne, t'es tranquille. The structure of the Holy Spirit, how he works. À Yopougon, dans les moments d'épreuve, il m'a dit je te bénirai. L'onction que je t'ai donnée là, tu vas passer auprès des fous, ils seront guéris. J'ai pensé que c'était le lendemain. Il y a 4 ou 3 jours, maybe 2 or 3 days, le Seigneur me dit, the Lord tells me, était couché sur le lit. J'ai fini de prier, j'étais content, j'ai te fait rentrer en profondeur. Toutes les connaissances, enseignements que tu fais là, c'est rien. Tu es content, c'est rien. Toutes les révélations, c'est rien. Il dit, ça c'est révélation ça. J'ai pensé que c'était arrivé. Je comprends pourquoi Paul disait, je couvais la perfection. Or vous, dès que Dieu vous a suscité à l'oreille, 2 prophéties, 3 prophéties, on vous enseigne plus rien. Sans calling your hero, one or two prophecy, we don't. Il y a certains même qui ont dit que Zouzou, Alfred, il a dit que Dieu dit que il va prier, le feu va sortir de sa bouche, il va remplir le stade. Il n'a qu'à remplir son studio là d'abord. Les gens pensent que à faire de Dieu c'est amusement. Regardez moi, le prophète Samuel. Moi-même j'ai pensé que je suis arrivé entre guillemets. Il me dit c'est maintenant que je vais te faire rentrer en eau profonde. Il dit ah, toi ton affaire là. Amen. Vous voyez? Donc, il va nous annoncer les choses à venir. Moi, je vous dis quelque chose. Et ça, c'est la vérité. Je vais te dire quelque chose. Si Dieu t'a parlé en songe, si tu as parlé par un homme de Dieu ou bien une sœur, ah, Dieu m'a dit telle chose. Il faut laisser tout ce qui. C'est-à-dire que ceux qui te découragent, il ne faut plus parler avec eux. Ce n'est pas mauvais. Those that discourage you, don't talk to them anymore. Parce que le Seigneur dit que si c'est un œil qui est une occasion de chute, il faut l'enlever. Tout cela, c'est un truc, c'est un faux yeux. Drop for you, remove it. Regardez, quand moi on m'a dit que c'est la divination, je suis parti à Jérémie. Et on devait faire une réunion de famille, et ils ont dit, on devait confier, ah, tonton, moi, il n'y a pas l'argent. Il dit, ah, tu n'as pas l'argent, tu fais croire aux gens que tu as l'argent. Et puis maintenant, si on fait les réunions, on peut t'appeler. Il m'a humilié. So was about a family meeting and it was about. Je suis venu, j'ai pleuré. Dieu me dit, ah, non, ce qu'il t'a dit à Boaké là. Depuis ce jour, j'ai cru à la vérité. I was crying and God. Et voilà aujourd'hui, la vérité m'a fait. What I've told you in the city of Boaké. La vie de l'esprit. Believed in that truth, and this is la vie de l'esprit. For me. La vie de l'esprit. Moi, je vous demande pardon. C'est que Dieu est en train de nous enseigner là. Marchez sur ça. Here, n'écoutez personne. Parce que, comme nobody. Je disais hier au Koufames, là, j'ai dit à mes enfants, si les gens vous donnent de faux conseils, si vous les écoutez là, quand Dieu va vous abandonner là, c'est les mêmes personnes qui vont se moquer de vous. Ne les écoutez pas. Regardez-moi. Quand Dieu m'a dit de partir, je suis parti. Look at me. When God asked me to leave, I left. Et puis j'ai dit une chose. And I want to tell you one thing. Attends, j'ai dit où? I say. Moi, je te comprends pas. I don't understand you. Regardez. Look, ce que tu as là, t'as déjà tu n'as pas. What you got now? There are some who don't even have it. Regardez aujourd'hui là. J'étais là-bas. Et j'ai dit, Alain Grosventre là, il doit faire son mariage, tout cela. Et c'est mon fils, on a commencé depuis Anoumambo. Maman même m'a posé la question, et ton fils là c'est comment? J'ai dit, ça là aussi, maman va mettre sur moi. J'ai dit, maman était critiquée dans mon cœur, pardon. J'ai dit, ça là, maman aussi va mettre sur moi. Il dit, et ton fils là, puisque depuis Anoumambo on a commencé. Et le club aussi, tout cela. Non, j'étais là et puis j'ai dit, ah, bon d'accord, maman, bien à gérer. Je viens, il y a une de mes filles,
qui est ancienne, était à l'église, Dieu m'a donné la deuxième. Aujourd'hui, elle m'envoie encore 365 300. So I was there and one of my daughter brought me money. Voilà ça qui est là. Voilà l'argent là. 300. Je voulais tellement que j'ai tremblé pour mettre dedans, j'ai dit c'est l'enveloppe là. Ndoua Catherine Victoire. Voilà. La donne à Junior, Junior m'a envoyé. Junior aussi, il lui a fait offrande. Il est étonné. Il dit, papa, c'est pour moi. Il dit, prends. Il faut prendre. Il dit, papa, je suis étonné. Il dit, non. Première fois, il n'a rien donné. Parce que Dieu m'a dit de ne rien te donner. Mais aujourd'hui, là, Dieu me dit, il l'envoie, il faut le donner. Je l'ai donné. Il est étonné. Donc, le reste, je mets ici. Alain, on a demain. Hein. Ouais, non. Vous comprenez? Moi, je ne sais même pas comment vous inquiétez. I don't even know why you worry. Regardez comment je suis tranquille. Look at how I'm quiet. Soyez tranquille. Be quiet. Quoi le problème là où? Si il vient ici, je vous escroque, envoyez l'argent, tout. Vous avez dit que ah, lui-même les devant lui-même les mélanger. If I come before you defrauding and I'm confused, mixed up, then you can worry also. Mais restez tranquille. But just stay quiet. C'est que vous avez. What you have right now, some people don't even have it. Et puis pour les femmes là, je vous donne un conseil. Hein. Ne fatiguez pas vos mariés. Parce qu'il y a des femmes là, même pour même bonjour, mais elle n'a pas. Hein. Regardez sur les réseaux sociaux. Par moment, quand on cherche les choses pourries, il y a des filles, elles sont enceintes. Je cherche un mari, je n'ai pas d'enfant, j'ai 21 ans, tout ça. Et ben, c'est les voyous qui vont te prendre là-bas. Mais toi, au moins quand tu es malade, même s'il n'a pas assez de moyens, il s'endette pour t'envoyer à l'hôpital. But you, when you are sick, if your husband does not have plenty money, vous comprenez ce que j'ai dit? He take a loan to. Toi au moins tu te lèves le matin là. Il y a quelqu'un qui a, tu dis bonjour à quelqu'un. Mais il y a des femmes, elles sont ici, elles me regardent. Regardez, même pour les, elles sont célibataires, il y a pas bonjour. But some women, they are si single. Le bonjour c'est le voisin. There is no more even a law of good morning. Toi, but comment tu es béni? That good morning can be for the neighbor. Evra, mais toi, but you, tu te lèves le matin là. You wake up y a quelqu'un morning, qui te dit bonjour. There is somebody who greets you. Donc la personne qui te dit bonjour là, so faut pas le frustrer. Greet you, faut pas la frustrer. Je parle des femmes là. Don't frustrate her. I'm talking about. Vous comprenez ce qu'il dit? Do you understand? Toi au moins, tu te lèves le matin là. You c'est wake vrai, up in the morning, c'est vrai, ce que tu cherches, tu n'as pas encore tout. Mais au moins, quelqu'un te dit bonjour. Regardez, ce temps-ci, il fait tellement froid. Look at this time, it's so cold. Il fait tellement froid. It's so cold. Mais toi, au moins, tu as une chaleur humaine qui te réchauffe. Mais elle a oublié de prendre drap lourd. Vous, les garçons aussi, les célibataires, c'est la même chose. She's obliged to take this very heavy bed sheet. Vous comprenez? Je suis là. Comme je sais que c'est. Le Saint-Esprit, je sais que c'est dur là. Il fait ça pour vous faire rire un peu. C'est Dieu qui me fait ça. Alléluia. Vous comprenez ce que j'ai dit? Do you understand what I'm saying? Est-ce que quelqu'un attend le son de ma voix? Is a child of God hearing the son of my voice? Non, les enfants, la vérité. Regardez, just believe. Regardez. Dieu a parlé à ma femme quand on était mariés. Il n'y avait pas de fenêtre, tout ça. Un jour, on s'est réveillé et puis elle était assise sur le lit et puis elle était bloquée. C'est ça que c'est Dieu qui lui parlait. Elle avait une vision. Et elle disait comme ça que tellement que mon argent était beaucoup au ciel là. Donc il y a un ange, je suis allé à la banque et puis un ange qui a envoyé une disquette. En ce moment précis, c'est une disquette. Il l'a mis dans leur ordinateur à la banque et puis ils ont téléchargé mon argent là. C'était beaucoup. Et puis la banque. Et viennent me supplier. Les États viennent me supplier pour que je puisse leur donner crédit. So the state was, donc, elle a fait 5 minutes comme ça. Comme moi, je connaissais. Parce que l'esprit, je connais. Depuis là-bas, de l'autre côté, on connaît. Donc, elle a dit, hey, papa, j'ai eu une vision, tout ça là. She mais said, I got a vision. Quand on a fini une vision là, quand on est sorti, elle dit, papa, il n'y a pas rien. But after the vision, immediately there was a la vérité, c'est que Dieu t'a béni. Mais la réalité, il n'y a pas rien. Mais comment tu vas faire pour être fort? Tu dis que dans tous les cas, aujourd'hui, je ne pourrai pas manger. Mais demain, je vais manger. Anyway, I'm sure I won't eat today. C'est ça la vérité. Tomorrow, I will eat. Dieu vous annoncera les choses
Ne rentrez pas dans la compromission. Je vous dis la vérité. Don't get in ne rentrez pas dans la compromission. Don't hein? Get in compromission, children of God. Regardez. Il y a une de mes filles qui vient me voir là-dedans. Elle a tellement pleuré. Elle dit que non, comme elle souffrait, elle n'avait pas l'argent, elle n'avait rien. Elle allait avec un homme là. Aujourd'hui là, elle est partie avec son enfant. Elle a laissé le gars là. C'est son petit frère. À cause de spaghetti. Loving, elle était baptisée ici. Mais elle devait rester. Dis, ah, vraiment, c'est vrai. Really, c'est vrai. Ça ne va pas, mais un jour ça va aller. Think how too difficult elle a fait now, un enfant. Et la dernière fois, last time, quand elle est venue avec son fils, là, son fils était content, pépé. Et quand elle a commencé à expliquer, comment tu es béni. Et puis elle a commencé à pleurer, ma femme est belle, hein? Ah. Oh, mais elle n'est pas belle. Vous savez, nous, les vrais serviteurs de Dieu, on ne peut pas se tromper. Quand tu es en haut ici, tu vois tous les visages. Je ne peux pas comprendre pourquoi il y a des hommes de Dieu qui peuvent prendre des femmes qui sont vilaines. Et les yeux là, c'est ici ou bien quoi? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Hein, ma fille, Annick. Vous voyez, non? J'étais en train de dire quoi? J'ai oublié, oui. Hein, je disais quoi? Hein? Je dis quoi? Hein? La compromission. Là. Je vous demande pardon. I beseech you, children of God. Ne rentrez pas dedans. Don't parce que si vous rentrez dedans, là, if you get into the compromission, si vous venez me voir, je n'ai pas à vous écouter. If you parce que je me mets ici, me je vous parle, non? I will not listen si tu viens là-bas, là, je te chasse. Donc ma fille, elle est venue. So she came, that elle est venue. Daughter, she came. Elle était venue avec son fils. Son fils m'a dit, pépé. Mais quand elle a commencé à pleurer, l'enfant est devenu triste. J'ai dit dans mon cœur, son became so sad and que I said un enfant qui voit sa maman pleurer. A child has seen his mother crying. Mais si elle m'avait écouté. But if she listened to me, c'est pour ça que je vous dis, écoutez-moi. That's why I vous, les filles, you, là, listen vous, dites, to on me. Parle, vous ne voulez pas écouter. Listen. Vous faites les mariages dans l'antichambre. C'est pas bon, hein? Ça n'a pas marché. Vous, les jeunes filles, élèves, étudiants, allez-y à l'école, hein? Allez-y, les jumelles, vous avez compris, non? Vous avez compris ce qu'il dit? Allez-y à l'école, hein? Go to school. Allez-y à l'école. Parce que Dieu, lui, programme, hein? But God's schedule, si tu prends everything. Un homme qui n'est pas pour toi aujourd'hui, man, demain matin, il s'en va. Morning, quand c'est comme ça, Dieu a dit que c'est que Dieu a uni, que personne ne sait pas. C'est Dieu qui nous a uni. God united, nobody should separate, but is it God who united you? Quelqu'un entend le son de ma voix? Amen. Donc elle est venue, elle a pleuré, pleuré. She came, she cried, pleuré. Cried. Elle est venue ma dernière fois, elle m'a dit, ah papa, vraiment. Oui, tu as vu comment elle est sortie, elle était contente. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Il dit, voilà. J'ai prié. Quand elle est partie, elle n'avait pas prié devant elle, elle m'énervait. Donc, c'est quand elle est partie. J'ai dit, Seigneur, regardez à quoi. L'enfant est innocent. Look at because of Seigneur, pardon. Lord, please. De la manière, son visage est mélangé là. Pardon, fou, pardon, pardon, Seigneur. Please, elle est venue Lord. Le mardi passé. Elle a eu une maison avec son frère. En tout cas, elle est à l'aise. She elle est contente. Elle s'associe pour payer avec son frère. Elle est sortie de moi, parce qu'elle avait un peu peur, parce qu'elle devait me dire d'abord avant de déménager. Et quand Léo te poursuit, là, tu cherches à te caser d'abord avant d'aller saluer les gens. Donc elle est contrainte, elle est sortie de mon bureau là. J'ai entendu, oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci. La dernière fois elle pleurait. Aujourd'hui, le mardi, elle cried, but the second time she was blessing God after leaving my office. Elle est là, je voudrais dire à ma fille que c'est à cause de ton fils que j'ai prié. Parce que vous, quand ces voyous là, ces païens là, quand ils commencent à vous chercher, c'est vous me parlez mal. Non, le culte dure. Mais pourtant, quand tu vas au maquillage, lui là, vous durez. C'est pas ça. On n'a pas vu que depuis les choses gentilles. Donc, il ne faut pas, on va arriver là-bas. On va arriver où chacun va s'énerver. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Donc, voyez les enfants, vous avez vu, non? Donc, il nous annonce les choses à venir. Vous voyez, non? Et puis quoi, il nous console. And after announcing how they think to c'est ça, non, le consolateur, il nous console. Comforter, because he's a comforter. Hein? Normalement, après l'enseignement, là, tout le monde va avoir un cœur doux. Normally, after this teaching, everybody should je vous explique, il dit, quand le consolateur sera venu, il vous enseignera toute la vérité. C'est pas ça? Il vous annoncera les choses à venir, non. Je vous explique. C'est-à-dire que
Aujourd'hui là, les gens sont méchants envers toi. Without today, people are wicked against you. C'est ça, non? Isn't that? Et moi, il te donne pas aussi. Par moi-même là. Par moi-même là. Comme tu dors au salon là. Are you sleeping? Par moi-même, au lieu ils font dormir jusqu'à 6 heures pour que toi te réveilles. Normalement, c'est à 5 heures qu'ils commencent à balayer. Pourtant, avant, ils ne balayaient pas. Quand tu dors. Ils waking at 6 o'clock. They start tu comprends, non? Ils sont méchants. Demain, quand tu dors au salon comme ça là, il est déjà énervé. But when he sees you sleeping in the sitting room that way, he's bien, so angry already. Quand il prépare là, il t'envoie. But when he's cooking, ils savent que où tu envoies là. Send you far present. C'est que tu as cherché à Nampo. Parce qu'elle même est déjà passée là-bas au marché. Donc elle est partie, elle a trouvé ce n'est pas. Il fallait me payer tout ça là. Tu as la dame qui est ici et tout ça là. Si tu vas là-bas que ce n'est pas eu, il faut aller de l'autre côté là-bas. Mais quand tu es sous couvert. Et puis par moment aussi tu fais ça. Pour l'aider, c'est-à-dire que tu es tellement gentil, tu veux être serviable. Oh, c'est pour ne pas qu'on te demande. Non, maintenant, quand tu viens naître là, mais tu as trop duré. Tu sais que la nourriture n'est pas beaucoup. Tu as trop duré. On a fini de manger. Ah. When you come back, I tell you that you delay. Maintenant, Dieu t'appelle. La pierre qui a été rejetée est devenue. La pierre qui a été rejetée est devenue. Now, exemple, moi. Rejected has been the mean vous comprenez ce que j'ai dit? Maintenant, tu viens maintenant. Maintenant, tu es à Shadrach maintenant. Ou bien tu es dans une église vivante où il y a le Saint-Esprit comme ici. Like papa Karambiri, Joss Meyer. Et puis Dieu te dit, ma fille, je vais te donner un bon mari. Ma fille, je vais te donner un bon travail. My daughter, I will give you the good. Je te dis la vérité. Parce que tout ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est la vérité. Wife, et il va te dire que... Et puis il te dit que je vais te donner bon mari. Je vais te donner telle chose. Maintenant, comme tu as faim là, il n'y a pas de problème. Good husband and good thing also, but as you moi, je te donne à manger. Et puis tu es là et puis il y a une de tes camarades qui appelle, bien frère de l'église. Bonjour ma soeur, bonjour, ça va? Bon. Morning sister. Comme tu as un peu honte. Non, ça va, il dit, ah, moi ça va pas. J'étais là, j'ai pensé à toi. I'm doing great. And he said, en tout cas, moi je suis quitté au village là. Moi j'ai envoyé à Tchéke, j'ai envoyé Nyam, ou bien, bon, j'avais voulu que, faut pas penser à autre chose, moi Dieu m'a dit, faut pas partir manger à Tchéke, faut pas penser à autre chose, et puis, think about something else, so we just come to eat together and God give it to you that way. Dieu te donne à manger. Ou bien, God feeds you. Tu es là. Or you are there. Un matin, Dieu te donne les choses à venir. Il t'annonce les choses à venir, non? Tu es là maintenant. Et puis, alors que tu as ton diplôme, tu n'as pas de travail. Mais comme tu es sincère, un matin, Dieu te donne un travail. Il annonce les choses. He says he announces the things to come. Voilà. Dieu est comme ça. God is that way. Dieu va jamais t'abandonner. C'est la vérité. Give you hope. That is the truth. Il va jamais. He will never give you. C'est pour ça que je vous dis, that's vous que Dieu you, a béni là, blessed, ne le frustrez pas par le Saint-Esprit. Don't frustrate over us by your, don't frustrate him by your behavior. Quelqu'un entend le son de ma voix? Is somebody hearing the sound donc of le Saint-Esprit, son travail, c'est ça qui est là. So il te console. Job of the Holy Spirit is that way. Il te console. It comforts you. Tu vois, non? Quand ils t'ont fait cette méchanceté-là, et puis tu rentres, tout le monde a fini de manger, ton cœur fait mal. Parce que par moi-même, là, c'est toi-même qui as préparé. Et puis, il m'a dit de pas aussi. Tu vas entendre cette voix-là. C'est rien. Par moi-même, là, tu veux parler tellement que le Saint-Esprit, tu n'arrives pas à parler, alors que tu ne bégais pas, tu commences à pleurer. Sometimes you want to talk as the Holy Spirit. C'est le Saint-Esprit qui dit ça. Parce que le Saint-Esprit dit quoi? Your tears. On ne se moque pas de tout ce qui sort de ta bouche. Tu vas récolter. Falling. Lui, il t'a consolé. Il dit demain là, tu vas bien manger. And he tells you. Je me rappelle. On était au campement. J'avais 8 ans, 9 ans. I remember when the countryside around 8. Bon. Il a payé la vie de ses enfants. Vous savez, chez nous, janvier là, on s'amuse pas quand on était petit. C'est maintenant vous respectez pas janvier. Kids. Nous, on s'en fait bonne année. Clothes, but I didn't pay Aïcha, for me. Il n'a pas payé mon habit. Je pleurais. No, et c'est mon nom. Crying. Le dernier de ma maman. Elle dit, ah, Jack, il ne faut pas pleurer. Un jour, là, tu as porté habit still, fatigué. Brother of my mom Dieu a annoncé les choses. Said, voilà, aujourd'hui, comment je suis élégant. You will... Look at today, ouais, non. Amen. Mais combien... Mais j'avais 8 ans. But I had... I was 8 years old. J'ai dit à quelqu'un, si depuis tu n'es pas encore mort, Dieu a un plan pour toi. Since now you're not dead yet, God has a
Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc les enfants, so, children, moi qui suis là, je suis un. Je ne suis pas omniscient. Et c'est pour ça que Dieu me donne de vous enseigner la vie de l'esprit. Devant les situations comme ça, là, reste tranquille. Il va te parler. Il va te consoler. He will comfort you, he speak to you. Il va te consoler. He will comfort you, he tell you. Cette voix là, tu vas l'entendre forcer. Stay quiet or keep silent. This voice you will absolutely hear. Quand Dieu dit ça là, vous frustrez le Saint-Esprit. Vous partez faire parler. Vous partez faire parler. Alors qu'il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Why he said to me the vengeance, to me the retribution. Il y a un marché. Les gens t'ont fait la promesse. Tout. Au dernier moment, on donne à quelqu'un d'autre. There's a business market and people promise to give it to you at the last time they give it to another company or entrepreneur. But don't fight for that. No. On fait pas par là. We don't fight moi. For that. Par là, la canne, on m'a envoyé à Amzoukro. Après, il m'a enlevé. Et je suis quitté là-bas. During the African competition, I was supposed to go in the city, but after that, I've not been appointed there, so I left. Quand là, c'est pas pour moi. Mais moi, il y a mon club. Hier, il n'y a pas fait le mot. Si aujourd'hui, même, j'ai fait une conférence, j'ai fait. But at my les club, enfants. Yesterday, I did a conference. Anytime votre I want papa to do it, je vous aime. You see, I love et c'est you. Que that's the reason why moi, je ne veux pas qu'on fasse les erreurs. I don't want you to do moi, j'ai fait trop d'erreurs. I did so au niveau de l'église, j'ai fait beaucoup d'erreurs. The church. Parce que je confondais les œufs de la chair et puis les sentiments. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Au niveau de confédie, même chose. On a fait des commandes ici, on m'a conseillé ici. Donc, moi, je suis bien placé pour vous conseiller pour ne pas que vous fassiez les mêmes erreurs que moi. Et quand je vous parle ici, là, ne vous fâchez pas. Parce que si vous fâchez là, c'est que vous n'aimez pas, vous ne vous aimez pas. Regardez, Karambiri. Pas moi quand je l'écoute là. Mais il y a des choses. Il y a des erreurs que j'évite. When I listen Daddy Karambiri, for example, there are some mistakes I donc, par moment, avoid. Quand on parle au niveau de l'église, là, quand on parle au niveau de ce qui à l'église, les erreurs que j'ai faites, les gens pensent que non, tous les jours, il va parler de nous. Non, je ne parle when pas I de speak toi. About a mistake I j'ai dit que j'ai fait. People say, no, every day we talk about veux... talking about anybody. Mistake and I don't au want de you to do this. J'ai dit que j'ai fait erreur. Vous qui êtes en train de grandir, et vous, allez, vous êtes en train d'avoir votre entreprise là. Je n'ai pas le problème plus que vous fassiez les mêmes choses. Oui, ça c'est le problème. For you that is making your company, mais si for je suis méchant là, je me tais. If I'm evil or wicked, le I méchant just là, keep silent. Le méchant là, quand il allait au champ et puis il a vu les abeilles là, quand il est parti couper bois là-bas, et puis les abeilles l'ont piqué là. Quand tu te demandes, mais où tu as eu bois là, joli bois là, il dit c'est là-bas. But a wicked one, when he went il est méchant. Bear, he saw the bee and mais the bee tu allais dire, ah, c'est vrai, le bois est joli, hein, mais il a les abeilles là-bas. Il t'aime. But if he's et puis les bêtes là, ça vous dit, ceux qui sont bêtes là, ça vous dit qu'il ne veut pas que je coupe le bois là aussi. C'est pour ça qu'il dit ça. Ils sont bêtes. Donc moi, je vous aime. So don't go there with et allez, la preuve en est que Dieu m'aime, non. Là, ma fille était à l'église ici. Maintenant, elle gère plusieurs orangeries. Mais Dieu lui a dit, c'est par lui. On va lui donner la dîme. Ou bien, la dîme que j'ai eue là, en toute humilité, je ne veux pas frustrer personne. Mais est-ce que c'est vous qui m'avez donné? Mais c'est Dieu qui m'a donné. Donc mon rôle en tant que votre papa, je tiens de vous dire la vérité. My role as your dad is to tell parce que, you the truth. Parce que c'est les méchants qui voient les gens souffrir et puis ils sont contents. Because they are the wicked that see others suffering and they are glad. Quelqu'un entend le son de ma voix. Is somebody hearing the sound donc, of my voice? C'est pour ça que vous avez vu qu'aujourd'hui, là, je vous enseigne doucement. Hein. Parce qu'après le Saint-Esprit, on n'est pas pressé. So slowly, je vous enseigne doucement. Si il y a une situation, il y a une situation, il y a une situation, il faut garder ton calme. Just keep your silence. Il est le conseiller. Tu vois, il va te consoler. Il va te consoler. Il va dire, hé Seigneur. And you say, hey, Lord. Il va te parler. We speak to you. Calme-toi. Calm down. Calm. Just calm down. Dieu te dit calme-toi. God will tell you calm down. Regardez, mes pasteurs qui sont là, et ils me critiquaient trop avant. Before papa lui laisse tout tomber. Man of God was criticizing me. Mais si il so laisse pas tomber, saying, par moment il y a des gens on induit en erreur. God, he let everything à l'église down. Sometimes si je dois tirer sur tout le monde, j'ai risque de tuer mes vrais enfants. Ou bien vous n'avez pas vu ça comme ça. Risk to destroy my own children. Regardez, mon fils qui est venu le mardi là, il est venu me voir, il pleurait tout ça là.
Bon, j'ai eu la compassion. J'ai dit, ok, pas de problème. Bueno. Parce que quand tu es un homme de Dieu, là, il faut pas. Faut demander à Dieu de te calmer. When you are a man of God, you should have God to give you donc the vous, self-control. Si vous êtes mes enfants là, so Dieu vous dit aujourd'hui là, God il est le consolateur. Donc devant les situations là, il ne faut pas prendre des décisions actives. Don't take any il y a une de mes filles qui m'appelait là, une situation me, comme ça. Elle n'est pas ici. That way, she's not here. Quand elle m'appelait, elle m'a expliqué là. J'ai dit ma fille, me, I told her, I don't premier conseil qu'elle te donne, parce que c'est ça que moi je te donne et puis demain je te rappelle. Il ne faut pas prendre des décisions. Don't make any decision. Quand elle a fini de pleurer, il a laissé quand elle a fini de pleurer. J'ai dit ma fille, crying, le premier conseil qu'elle te donne, il ne faut pas prendre des décisions. First advice I give you, don't make parce que la décision que tu vas prendre là, ça va venir du diable. The decision we make, we come from l'endemain, the je l'ai appelé. Oh, elle a pleuré. On a fait près d'une heure de temps. C'est moi qui l'ai appelé. Bon, maintenant, c'est WhatsApp. Donc, ça compte pas. Donc, je l'ai appelé. So le lendemain, je l'ai rappelé encore. The after next day, I call her again. Faut pas prendre des décisions. Saying, don't make any decision. Je connais où? Because I know. J'ai fait ces mêmes erreurs. I did that same mistake. Donc, moi, je n'ai pas que vous fassiez les mêmes erreurs. I don't want you to do the same mistake now. Troisième jour, c'est qui m'a appelé pour me dire. Mon papa que j'avais perdu là. J'ai eu you, mon papa. Tout ça, my dad that I've lost, I got a new one, and I thought you have seen. Consolateur. Comforter. Children. Vous tous qui me regardez, vous me regardez à la télé. Vous me regardez. This place and watching les enfants me virtuels. Vous êtes 40 000, 50 000, mais vous ne me donnez pas l'argent. J'aime pas ça. Hein. Viewers, children, you qui est le chef vous-même? 14 or 40 okay. Vous qui me regardez, 1000, don't je vous demande pardon. Si le Saint-Esprit en toi, quelque chose. Devant n'importe quelle situation, demande au Saint-Esprit de te calmer. Parce que la décision que tu vas prendre là, c'est pas, ça ne vient pas de Dieu. Because the decision you're going to make does not come from quelqu'un God. Entend le son de ma voix? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Put your hands together. Donc, son rôle, so c'est de nous calmer. C'est pas ça? His role is to calm us down. Verset 14. Verse 14. Il me glorifiera. He will glorify me. Parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, voyez, non. Donc, le Saint-Esprit là, so the Holy Spirit, c'est pour. Quand il nous donne pour le glorifier, alléluia. Mais j'ai autre chose. J'ai donné une révélation, pas une révélation, l'explication. Regardez, quand le Seigneur était sur l'âne pour rentrer à Jérusalem, ils ont mis les rameaux, donkey, ils ont mis les pains baoulés, les pains de qualité. Le Seigneur était sur le dos palms, leaves, de l'âne, mais qui marchait sur rappers, le dos. Hein? The Lord was on the back of the donkey, but who was tripping regardez, down hier, or was hier, hier, il y a le direct qu'on a fait. Les gens m'ont appelé, m'ont envoyé un message. Les gens qui ne sont même pas de l'église. Mais c'est Jésus qui est glorifié. Mais qui on a appelé yesterday. Or who have been called. Je vous dis une chose. Laissez le Seigneur se glorifier en vous. Let the Lord glorify himself in you. Quand il dit que c'est pour me glorifier là, c'est pas lui. Mais la Bible déclare que personne ne voit Dieu vivre. You regardez, mesdames et messieurs, mes enfants. Nobody can see quand par exemple, tu as ton entreprise, you have your company. Hein? Et puis on met motors, ou bien coiffure. Ou bien quoi encore, ton champ de VA, ou bien ton champ de riz, ton champ de toutes ces choses, tout ça, tout ce que vous pouvez imaginer, t'es directeur de temps, directeur de telle banque, opératrice, and so on and so forth, so on and so forth. Quand on rentre dans ton entreprise, là, when we enter on dit quoi, je vois le patron, c'est pas ça? I want to see the boss. C'est pas ça, j'ai glorifié. Is it not you? Mais pourquoi vous ne voulez pas laisser le Saint-Esprit c'est glorifié en vous. Why do you not donc, parce qu'on vous a enseigné qu'il y a Dieu à part, il y a vous à part. There is God apart and there is you. Vous voyez, non? C'est dans la réalité, là. But in the reality, en réalité, ce n'est pas vous qui êtes glorifié. Is it not you quand on dit Dieu utilise papa, là, ce n'est pas moi qui suis glorifié. God use our man of God is not donc, me that is glorified. Si on ne vous a pas dit so if you are not que instead, en réalité, that in reality, celui qui est honoré, là, c'est vous. He that is honored is you. Ouais, non. Quand, par exemple, when Dieu dit, il ne faut pas tromper ton mari. Il ne faut pas tromper ta cheat femme. Not your wife, et puis vous êtes là, tout le monde vous prend comme modèle. Qui est honoré? Everybody take you as a role model. Who is glorified? Is it not your couple?
Vous avez bien compris maintenant? Donc, vous devez savoir, quand le Seigneur dit que c'est pour lui qu'on fait là, en réalité, c'est nous on est glorifié. Because of him we do, but in reality it's a we that are glorified. Quand Dieu m'a dit de partir de là-bas, je suis parti. La dernière fois, qui on a appelé pour féliciter? C'est pas moi. The last time who I've been called to be congratulated. Vous comprenez ce que j'ai dit? So do you? Donc en réalité, so in reality, tout ce que Dieu nous demande là, c'est pour nous. God ask all. Lui il est déjà glorifié. On dit aussi. Il est loue Dieu seulement. Il avait les Congolais. Et loue Dieu seulement. Vous manquez des Congolais puis les bété là. Arrivez au ciel là-bas, vous allez voir, vous n'avez plus de place. Congolese and the bété because là on prêche pas. Praisers. C'est bété et soit le Seigneur là-bas. Nous là on a prêché là maintenant. Nous on répond ici, nous on sait pas c'est tout. On répond derrière. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Vous voyez non? C'est pour dire que tout ce que Dieu nous demande là c'est pour nous-mêmes. Everything God asks us. To do is for non, le Saint-Esprit est venu. So the Holy Spirit has come. De la manière, le diable nous a humilié. Oh, fifi. Non. Le diable a laissé du mal à nous a humilié. Oh, fifi. C'est-à-dire que toi, tu es femme, tu as trois gars. Toi, tu es garçon aussi. Tu as des go. Tout cela, on t'a humilié. Boulogoxi, Sida, toutes ces choses, on t'a humilié. Maintenant, Dieu rentre en toi maintenant pour que son nom soit glorifié en toi. Tu choisis quoi? What choice do you make now? Tu choisis quoi? What choice do you la vie make? De l'esprit. The life of the spirit. Vous comprenez? Do you understand? Donc, la vie de c'est pour nous-mêmes. So that life for ourselves. C'est pour nous-mêmes. It's for ourselves. Il dit que, mais si l'esprit de celui qui a reçu de Jésus-Christ d'être les morts habite en toi, comment il ne va pas te donner la guérison? Si le Saint-Esprit est en moi, que les gens soient mariés, ne vont pas à l'hôpital. Mais qui est glorifié? C'est moi, je suis glorifié. C'est moi, je me lève le matin, je marche, je cause, je suis au téléphone. Mais les gens sont sous les lits d'hôpitaux. So it's God used donc qui est glorifié? La vie de l'esprit, quelqu'un peut acclamer le Seigneur. And people are in the hospital bed. Alléluia. Amen. Actes 2, 1 à 4. Acts 2, 1 to 4. Acte 2, 1 à 4. Acts 2, from verse 1 le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes les autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Donc, la vie de l'Esprit là, il a son langage. Alléluia. Il a son langage. Le Saint-Esprit a sa langue. The Holy Spirit has his tongue. Vous voyez? Do you see? Le Saint-Esprit là, il a sa langue. Has his language. Le bété a sa langue. Le bâle a sa langue. Le français a sa langue. Le chinois a sa langue. Tant, on dirait les crapauds qui sont en train de crier. Mais ils entendent. Each one, when they speak écoutez-moi. In their own tongue, they understand each other. Dieu va nous expliquer quelque chose sur ça là. Vous allez voir lui dire, hé hey, papa, non, Dieu t'utilise. God that's loves me. C'est ça, non? La Bible déclare que le jour de la Pentecôte, the Bible declares il vient du ciel. Days, it came from the heaven. It came from the heaven. Il vient d'où ça? It came from where? Il vient d'où ça? From where? Du ciel, comment? Quoi? Et from le Saint-Esprit fait quoi? Like the sun. Écoutez-moi très bien. La Bible déclare que quand ils ont baptisé Jésus, le Saint-Esprit est venu sur lui, c'est pas ça? When Jesus has been baptized, the Holy Spirit came upon c'est ça, him. It came upon him. Et les cieux sont ouverts. And heaven has been opened. Maintenant, the question. Quand Jésus est parti là, when Jesus went, il est parti avec le Saint-Esprit ou bien le Saint-Esprit est resté sur la terre? He didn't go with the Holy Spirit or the Holy Spirit stayed here. Il avait quoi? Non, il y a deux alors. So are there two Holy Spirit or? Il est parti avec ça. Écoutez-moi très bien. La Bible dit the Bible says, quand il a été baptisé là, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Came
C'est pas ça? On nous dit ici, le Dieu de la Pentecôte, là, les interprètes est quitté au ciel. Mais s'il n'est pas parti, pourquoi il peut descendre? Lorsque Jésus est parti avec lui. So Jesus went away with the Holy Spirit. Bueno. When he has been taken up. Bueno. Vous voyez? À quel moment il est parti? At what la Bible déclare que quand Jésus a été crucifié là, il y a eu les ténèbres. The darkness has covered all the world. Il y a les ténèbres. Darkness has covered. C'est ça, non? The world, amen. Il y a les ténèbres. Pendant combien de temps? There were the darkness for how many hours? Hours. For hein? Time, parce que la vie venait de quitter days. La terre. Because it was like life was leaving the earth. Ouais. Amen. La vie venait de quitter la terre. Life donc c'était Christ, c'est la vie devait quitter la terre. Après le soleil. So by his death, it's like life c'est pas ça? Left the earth. Après il est mort, il est ressuscité. After pas he died, à quel moment? He raised from the dead. À quel moment? On dit pendant 3 heures du temps, c'est pas ça? For three après le soleil est venu, c'est pas ça? Hours, and the hein? Sun mais le soleil qui est venu là, je voudrais vous poser la question. C'est les came. Cieux et c'est le ciel qui comporte le soleil et la lune là. Parce qu'on dit le soleil et la lune. Et c'est quel ciel? It is the sky that composes. C'est mathématique, hein? Parole de Dieu, c'est mathématique. Sun or heaven? Hein? Hein? C'est mathématique, hein? La parole de Dieu, c'est mathématique. C'est-à-dire qu'on dit ça, A plus A, A, 2A plus 2B, plus A, tant, égale à 0. Bon, vous faites l'équation. Vous pensez que la parole de Dieu, là, c'est un truc au hasard? C'est mathématique. The word of God is not the strange things. Ça est dans la Bible. La profondeur appelle la profondeur. La Bible déclare que Jésus-Christ, 3 heures de temps, il y a été ténèbres. C'est ça? C'est ça, non? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Il y a eu les morts. When he has died, les tombeaux là. Les rochers se fendirent. Tu comprends, non? La puissance de Dieu s'est manifestée. Flinging now c'est the ça, power of God has been manifest. Je pose la question. Ask you the question. Quand il était enseveli, la Bible déclare qu'il est been buried. Hein, il allait arracher la clé. He went to mais c'est juste mort. Donc tous ceux qui étaient morts là, ils ont été ressuscités. C'est pas ça? Parce que par moment là, les sorciers là, c'est dans les cailloux ils sont. Donc il allait les mélanger là-bas. Et puis, sometimes there hein? Some et puis il est venu. Mais c'est, pendant, mais c'est 3 jours après qu'il a été ressuscité. Je voudrais vous poser la question. I would like to ask you the question. Sur le plan spirituel. At the spiritual area. Jésus-Christ a été ressuscité quand il y a eu les résurrections ou bien c'est après 3 jours. Has been raised from the dead when the là, resurrection c'est le niveau has maintenant. Happened or after 3 days. Hein? 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 J'ai dit, oh. On dit qu'il est la résurrection. On s'en l'enterrer. Même jour là, buried. Le ciel est mélangé, la terre est mélangée. Same les day, gens sont ressuscités. C'est pas ça? C'est ça non? Maintenant c'est 3 jours après qu'ils sont allés voir qu'il a été ressuscité. Je vous pose la question. Later, il a été ressuscité le même jour ou bien c'est 3 jours après? Was it the same day? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Was the same day. C'est 3 jours après que les gens ont vu qu'il a été ressuscité. It's 3 days later than people of soul that he has been raised from dead. J'ai dit à quelqu'un si les sorciers ont enterré ta bénédiction, tout ce qu'ils ont enterré aujourd'hui, que tu entends le son de ma voix par l'esprit de Dieu, tu retrouves tout au nom de Jésus-Christ. I say to anybody that you find it all in the name of Jesus. Vous voyez? Do you see? C'est pas la chair, le sang, c'est le Saint-Esprit. It's not the blood and the faire rentrer dans les profondeurs. You have to enter in the deep. Vous comprenez ce qu'il dit? Do you understand donc what la I'm langue. Saying? Maintenant que vous avez bien compris, now parce I qu'il faut que vous compreniez. Well je prends tout mon temps pour que vous puissiez comprendre avec les révélations. Moi qui est derrière à côté de vous. La vie ainsi. C'est une femme baboulée. Donc, ouais, non? Amen. Donc. Il y a eu le Saint-Esprit qui est descendu. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. C'est pas ça? C'est pas ça? C'est pas ça? Il a dit que quand je vais partir là, quand je vais venir, je vais vous annoncer d'autres choses. Je vous pose la question. Quand Adam et Ève, quand Ève a péché, pardon, quand Adam a péché,
Adam has et puis le diable est rentré dans le monde. Il a commencé à se proclamer Dieu. C'est ça, non? C'est ça, non? Écoutez-moi très bien. Listen to me carefully. La Bible dit dans le jardin d'Éden que Dieu a fait l'homme à son image. Donc l'homme était Dieu. C'est pas ça? Maintenant, Satan vient, il dit à Ève, alors Dieu, il vous a pas dit. Il dit que si vous mangez là, vous serez comme des dieux. Regardez, Dieu a fait l'homme à son image, c'est grand D, non? Donc c'est le Dieu créateur de la terre. Mais quand il sera là, c'est pas petit D. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Donc Satan lui-même reconnaît que les marabouts, les féticheurs, vous partez chez eux, ils disent que c'est Dieu là. Ils savent qu'ils ne sont pas égaux. C'est Dieu, ils ne sont pas égaux au grand Dieu. C'est parce que vous ne lisez pas la Bible. Donc si moi, je lis la Bible, que Satan lui-même dit que le Dieu que je sers là, je vais devenir comme les petits dieux. C'est-à-dire que je serai dégradé. Je préfère rester là-bas. On dirait que vous n'avez pas bien compris. Maybe you did not properly understand. On dit que je vais te donner une voiture. Somebody alors qu'on m'a donné, hein, on m'a donné la dernière version de cette marque, de cette grande marque. Je ne dis pas son nom. De cette grande marque. C'est ça qu'on m'a donné. That, et puis tu viens me voir pour me dire que non. Si tu viens m'adorer là, je vais te donner la version 2018. I will give you now the year 2018. Il faut être version. Quand même quelqu'un. Il n'a pas toutes ses facultés pour accepter. Donc c'est ce qui s'est passé à Adam, à Ève. C'est-à-dire que, il dit que Dieu nous a fait à son image. C'est ça, non? C'est ça, non? C'est ça, non? Et donc, Adam, elle n'a pas été créée, mais elle a été formée. So Eve have not been created, he has been formed. La Bible déclare que Dieu a pris la côte de qui? So I will say God take the rib of Adam. Pour faire quoi? To make pour former qui? Eve. Donc Adam n'a pas été créé. Elle a été formée. Je voudrais poser la question. Quand, so I want to ask you the question. Sur le plan création, Adam et Eve ont même âge ou bien n'ont pas même âge? Area. Hein? Et donc quoi? Ils ont même âge, parce que la côte, c'est le même jour on a créé Adam là. Il avait les côtes. So the same day donc, Adam donc Eve created, était déjà créée. So Eve was already created by his rib. C'est mathématique. La parole de Dieu, c'est mathématique. It's simple, mathematical. C'est le Saint-Esprit. Hein? Il dit, la Bible déclare que le Saint-Esprit est une science. La parole de Dieu est une science. Donc vous voyez, non? Donc, Adam, so Adam et Eve. Sur le plan création, au même âge. Puis c'est le même jour que Adam, quand il était là. Mais c'est dans la formation que Adam est plus âgé. But it's the making of Eve that Adam is aged than he. Alléluia. Amen. Donc, toi, quelqu'un vient te dire. So you somebody come to donc, tell you. Je vous pose la question. So I'll ask you the question. Dieu a créé à son image, Adam avec la côte. Avec sa femme qui était en lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vous dis une chose. Quand le diable vient parler à Ève, en disant que non, si vous mangez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'êtes pas mourir, mais vous serez comme des dieux. Donc, ça dit que si Ève avait la révélation, elle devait savoir que Satan est venu pour la dégrader. Satan has come to undergrade. Parce que moi je suis Dieu incarné avec grand D. Et tu veux que je ne puisse devenir Dieu avec un petit D. With big J and you want me to come down. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, la même révélation revient en nous. Christ en nous, l'esprit de la gloire. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et toi, tu as le grand D en toi. Et tu vas maintenant, comme dans les jardins d'Éden, aller être un petit Dieu. Allez voir un marabout, un féticheur, pour qu'il mette en toi un petit Dieu qui en réalité est un démon. Pasteur. Vous voyez? Donc pour tous so all of you, qui disent que vous êtes chrétien, say you are Christian, hein?
Et que vous vous prosternez devant les statues, les petits dieux, Marie, Joseph, Jésus. C'est même pas. C'est le diable. All is the devil. C'est pour cela que devant la situation, vous n'avez pas de force. That's why before the situation, you don't parce que vous avez en vous les petits démons que vous appelez Dieu. C'est sinon, il a dit, ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Que Dieu habite en vous. Regardez le Dieu grandé. Que le grand Dieu habite en vous. Et que si quelqu'un veut détruire le temple, Dieu va le détruire. Vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Donc, le Saint-Esprit à sa langue. How's his alléluia. Language. Maintenant, now, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, Adam et Ève ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc les petits dieux sont venus habiter en eux. So the little God came to live in them. Quelqu'un m'entend? Somebody's hearing me. Donc ces petits dieux là, so il faut qu'ils se manifestent. Have to manifest. Mais ces petits dieux qui se manifestent là, eux aussi ils ont leur langue. Ils ont leur langue. Les combien? Quand on était au village, quand les combien dansent là, quand ça le prend, ou bien ça la prend là, bon, ça la prend. Quand ça la prend ou bien ça le prend là, est-ce qu'il parle même langue que vous? Il a sa langue. Donc, c'est ici l'origine. C'est l'origine. Donc, écoutez-moi très bien. Quand Ève, quand Adam a péché, que Ève a été séduite, les petits démons sont venus habiter en eux qu'on appelle Dieu. Les petits démons, quand ils appellent Dieu là, ils ont leur langue. Les fétiches ont leur langue. C'est cela que vous allez voir dans tous les villages africains. Et je vous dis que les Européens étaient les plus grands féticheurs. Ils dépassaient même les Africains. Allez-y, lire l'histoire. Donc c'est pour cela que vous, quand vous êtes dans les villages, vous êtes dans les coins où il y a les masques. Vous voyez, quand les gens commencent à danser les masques là, ton propre frère, tu sais que c'est lui qui a parlé, qui a porté ce masque là, mais il parle une langue bizarre que tu ne comprends pas. C'est son origine qui est là. Chaque démon a une langue. Et nous, on a le Saint-Esprit. Et nous, on parle en langue. Et il y a des églises qui disent que parler en langue là, c'est le diable. We have received the Holy Spirit as a church, and we speak in tongues. And some churches say that speaking tongues is the devil. Like in the Sima church, we don't speak. Mais c'est le Dieu grand, le Dieu tout puissant. He's the Almighty God. Qui a créé son église? Qui a donné le Saint Esprit? Et qui dit que le Saint Esprit a une langue? Et vous ne parlez pas cette langue là? C'est votre église, n'est pas de Dieu. Don't speak that tongue. It means that your church is not of God. I'm sorry. Puisque l'église de Christ que nous représentons a une langue. Has a tongue. Et vous dites que vous ne parlez pas cette langue. You don't speak that tongue. C'est comme tu me dis like you tell me que tu es bété. Ou bien tu es baoulé. Il est où? Bagno. Bagno. Speaking in you in baoulé, for example. Ou bien, Nagou, ayo. Like et puis tu me regardes comme ça. Bagno, bagno. Tu me regardes comme ça. Et lui, il dit quoi même? You say, what did he say, this one? Et tu dis que tu es baoulé. Say that you are Baoulé. Why are you il n'a pas dit Baoulé d'Abidjan, Baoulé du village. Baoulé, and you don't. On dit, oh, on tient Baoulé bien. Non, alors. Je n'ai pas dit. On peut comprendre que les enfants ne peuvent pas, mais au or village. City, au village. We can understand that because of the European language. Vous comprenez ce que j'ai dit? Well, écoutez-moi bien. Village, so donc, toute personne qui dit que. Elle est chrétienne. Qui ne reconnaît pas le parler en langue comme la langue officielle du Saint-Esprit n'est pas de Dieu. Parce que même les petits démons qui ont trahi Adam et Ève dans le jardin d'Éden là, ils ont leur langue. Les combien ont leur langue? Demandez les religieux, les francs-maçons. Quand ils sont dans leur loge là, ils parlent une autre langue de Satan. Look at the religious and the Freemasons when they are the mystical. Donc le parler en langue, le jour de la Pentecôte, on a reçu. Le parler en langue. C'est vrai, peut-être que tu ne parles pas en langue. Ce n'est pas grave. Mais aujourd'hui, si Dieu le permet, tu vas parler en langue. Vous comprenez? Mais pourquoi Dieu nous demande de parler en langue? Sa langue. On va lire. Pourquoi? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Can somebody or the child of God speak his hand? Put his hand together for the Lord? Écoutez 14, 1, 4. 1 Corinthians 14,
Verse 1 to 4. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. First Corinthians 14. 4. Recherchez l'amour. Seek love. Aspirez aussi aux dons spirituels. Aspire to the spiritual mais surtout, gift, aspirez à la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Dieu? Donc pourquoi Dieu veut qu'on parle en langue? Quand tu parles en langue, la personne ne comprend, même le diable ne comprend pas. Écoutez-moi très bien. Quand le Saint-Esprit tombe sur toi, ou bien te saisit, tu commences à parler en langue là. Un homme ne peut pas comprendre. Et aucun démon ne peut comprendre. Satan ne peut pas comprendre. No man can understand, no demon. Pourquoi? Also even Satan. Parce que why? C'est une communication entre toi et Dieu. Because a direct et le Seigneur dit quoi? Between you and God. And the qu'est-ce Lord said que what? Cette communication te procure? What are these communications? Il fait de toi. Provide to you or supply. Il t'édifie. C'est-à-dire, il te construit. Dieu te construit. God build you up. Vous comprenez, non? De la manière, les rédicitiens, les francs-maçons, ils sont dans leurs loges, ils sont en train de faire l'incantation, tout ça, et puis ils augmentent en grade, là. Avant, là, pour terrasser un arbre, là, il va souffrir jusqu'à... Mais au fur et à mesure que le diable les édifie, il parle en leur langue bizarre, tout ça, il les édifie, là. Maintenant, même pour faire tomber un avion, même, c'est comme de l'eau. C'est comme, par exemple, une sorcière. Au début, elle va te donner par lui tout ça là. Elle va dépasser ce grade là. Maintenant, c'est grossesse. Elle fait tomber ou bien il fait tomber. Et à vrai moment, il va pouvoir tuer les gens. Ça évolue comme ça. Donc, Dieu dit, quand chaque matin, il te demande de parler en langue, chaque soir, ou bien les occasions qu'il te donne de parler en langue, tu deviens spirituellement fort. God says anytime, even the morning or evening, or the opportunity or the occasion ouais, give you to speak in tongues. Tu deviens spirituellement fort. De la manière les francs-maçons, les sorciers, tous ces gens-là, ils sont dans les loges et puis ils font des pratiques et puis ils deviennent forts. Ils font bouger les verres. Et là, les verres comme ça, et puis les verres bougent, tout ça là. C'est comme ça. C'est des grades. Donc le Seigneur dit, au fur et à mesure que tu parles en langue, tu deviens fort. Tu as des grades. Gradually that dans you le corps speak de Christ. In tongues, you receive the grades in the body of Christ. Vous voyez, non? Pourquoi les gens ne veulent pas que les gens parlent des langues dans l'église, les défenciers? Parce que c'est des sorciers. Parce que quand vous parlez en langue, là, ça les dérange. Quand vous parlez en langue, ça les dérange. Je vais vous dire une chose, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Quand quelqu'un il est mystique, il est diabolique. Il est sorcier, il est tous ces rediscussions, tout ça là. Quand tu parles en langue là, c'est le courant le secoue. Il est là, il vous n'avez pas vu que quand vous êtes avec eux là, quand vous êtes en train de causer tous les jours, un temps, ils vont aux toilettes, un temps, ils sont aux toilettes, ou bien ils sont pour aller fumer. C'est le Saint-Esprit qui les fatigue. Donc, le matin là, si Dieu le permet, tu te charges. The morning, if God allow you, you comme une batterie. Yourself like tu parles la langue, tu te charges. Quand tu es au travail comme ça là, le démon t'étale partout. Par moi même là, le bac à la même là, il n'y a rien, il n'y a personne dedans. Quand tu lèves ta main comme ça, avancez! Il dit à son patron, il n'y a qu'à avancer. Parce qu'ils sont quittés sur le marabout, sur le féticheur. De quand ils te voient naître, ils sont énervés. Je vous dis la vérité. Go ahead, move. I tell you the truth. C'est pour cela que moi, je suis avec les gens. C'est les gens qui ont un problème. That's why I'm with people, but avant d'aller à une réunion, je me charge. Je parle en langue. Je me charge, je m'édifie. Before attending, quand j'arrive là-bas, it's like I charge myself, I build up. Et là, hier là, avant de venir là, c'est dans mon bureau là, j'ai prié en langue. Quand je vois, pas vu que c'est comme de l'eau. Before attending yesterday meeting, I prayed in tongues. Vous voyez? Donc le parler en langue te met en contact direct avec Dieu. So speaking in tongues. Et c'est ça qui dit que c'est quand tu te mets en contact direct avec Dieu, quand vous serez devant les hommes, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire. Car l'esprit de Dieu parlera en vous. Voyez non? Donc voyez non? Depuis là, il dit, voyez non? J'enseigne seulement. Et regardez. Regardez le message. For this morning, I started on to teach. Look at the message. C'est le Saint-Esprit. Regardez le message. Regardez.
La vie de l'esprit. The life of the spirit. Ouais, non. Matthieu 3, 5, 17. Luc 14. De l'enfance au fils ou à la vie de l'esprit. Jean 14, 12, 14. Jean 14, 25, 26. On n'a pas lu ça. Le but de la vie de l'esprit. Ouais, non. Voilà ça qui est là. Tout ce qu'il dit là, il n'y a rien écrit. Hein. Mais je me suis chargé. What I'm saying after. Donc quand il vient, c'est lui qui parle. Donc avant d'aller à une réunion, réunion de bureau, réunion de je ne sais pas quoi, office meeting, tu parles la langue. Parce que le problème, c'est quoi? Quand tu parles de manière intelligente, le diable note. If you speak at an intelligent way, the devil cannot. Quand tu arrives là-bas, il s'en dit, ah, voilà ce qu'il va dire ici, voilà ce qu'il va dire ici, voilà ce qu'il va dire ici. Puisque, puisque lui aussi, c'est un rapporté. This is what he mais quand tu parles en langue, quand il t'en va là, ce que tu dis là, comme lui, il ne sait pas. As he, elle dort toujours. Does not la fille Babouille là. Vous comprenez? Vous comprenez? Do you understand? Quand j'entends les hommes de Dieu disent, moi-même maintenant, je ne sais même plus ce qu'il y a prêché. When I hear a man of God saying, this time I don't even know what I will preach on. Vous avez compris? Vous avez compris ce qu'il a dit? Do you understand what donc, I'm saying? L'esprit a sa langue. So the spirit ça has his langue. Tongue. That is the speaking. Vous comprenez tongue. Ce qu'il a dit? Amen. Alors, tu parles la langue. Tu parles. So tu parles. Speak, tu parles. Speak, tu parles. Tu parles la langue. Tu parles la langue. Quand tu es devant aux réunions là, tout le monde t'écoute. When you attend to the meeting and you speak, tout everybody réfléchis. Listen to you because it's même si le président ou président de la République ou il est franc-maçon, c'est leur patron ou tout cela. Quand tu parles la langue, tu t'en vas là. Tout ce que tu dis là, oui, on n'a qu'à l'écouter. Oui, on n'a qu'à l'écouter. Mais toi, tu t'en vas, tu arrives là, tu manges, tu vas te montrer comme. Moi, ce qui m'énerve chez les chrétiens là, quand ils arrivent dans ces réunions là, ils veulent se comporter comme les païens là. Demain, les païens là passent comme ça, ils parlent. C'est-à-dire qu'ils veulent prendre qu'ils sont stylés quoi. C'est-à-dire que si les gens boivent, s'ils ont les coupes de champagne là, et comme ça, ils font comme les païens là. Ils vont manger placardé avec cuillère, avec fouchette. Tu vas manger placardé avec fouchette. Quand ils attendent à les éléphants jouent là-bas. Like pagan, la fif, en ce moment précis, en ce moment j'étais encore chose. Ils ont voyé placardé tout cela. Moi, j'ai pris à loco d'abord. Par exemple, j'ai pris Claclo. Et il y a une qui me dit, ah mais président, vous allez prendre Claclo pour ton problème là-haut. C'est mon ventre. Moi, quand j'ai mangé feuille, j'ai mis rassasié. Et puis, regardez, moi, j'ai autre chose. Moi, je cause à Dieu. I want to tell you one thing. Vous avez pensé que c'est l'orgueil. Hein? Quelqu'un qui cause à elle, celui qui a créé la terre. Somebody talk to God, creator of heaven and moi, je ne comprends pas. I don't understand. Donc, il a dit, mais ton problème, j'ai mis mon placro. Je suis allé deux fois. Donc, je suis allé prendre mon placali. Ils ont bien fait, hein. Il a comme main dedans, yoko, tout cela. Il a pris propre. Et puis, il a mis sauce à côté. Il dit, président, tu n'as pas pris cuillère. Il a failli lui parler mal, mais comme je suis bien éduqué là, il a dit non. Il a eu ma main, il mange. Et il prend qui il est pas moi. Yoko là, il y a un là. Yoko là a sauté comme ça. Dans sa poitrine. Et puis, elle est là. Elle est là. Elle dit, ah, mais par exemple, nous sommes entre nous les. Non, ah, président, ah, mais on dirait que tu reprends Shadrach, tu as raison, hein. Il fait comme il n'entend pas. On donne ta fille, ça, quoi, là. Il voit. Les yeux glacés, caca. Tu tires, là. Yoko, on a mon fanta, même on a nous a baba. Et ils ont fait comme ça, ils ont laissé Yoko, là. Quand on a fini le match net, on n'a pas encore mangé, on a faim. Et non, elles, ont dit, mais la routine n'est pas encore prête, tout ça, là. Moi, je suis bombé. Moi, j'attends vers les 22h, 23h, puisque le placari, là, c'est encore là-bas. Mais ils avaient fait. C'est quoi ça, là? Qui vous a dit qu'au moins placari avec cuillère et fouchette? Vous êtes des Africains. Moi, je suis parti en Chine. Je suis parti là-bas, et puis les Chinois, là, ils m'ont donné le bâton. C'est pourquoi? I've traveled to China. Ils ne prennent pas ça. And the Chinese gave me now the stick to eat with the food. I can eat with the stick. Les gens ont fini de manger, tu es là maintenant. I asked them to give tu n'es pas habitué. Spoon je ne vous comprends pas. Africain. Dieu nous a fait africain. Regarde les cuillères, ça là. Fouchette. Voilà la cuillère. Our hand is like the spoon or the fork. Non, si c'est le riz là. Si c'est le riz,
Si c'est le riz, il n'y a pas de problème. Tu prends le truc pour manger avec cuillère fourchette. You can eat with même le riz là-même, là, dans son nom là-même, là, quand tu fais comme ça, là. Riz local, là. J'ai pas su le contrôle de mes parents bêtés, là. Quand tu fais comme ça, là. Et puis c'est un peu chaud comme ça, là. Quand c'est trop froid, c'est pas bon, hein. Quand c'est un peu chaud comme ça, et puis tu manges, et puis ta langue, là, c'est un peu brûlée, là. C'est bon, hein. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Moi, il y a une chose. Partout où je passe, je suis fier d'être africain. Parce que si je ne veux pas, je suis africain. Everywhere I go, I'm proud to be an African. Vous comprenez ce qu'il dit? If I want or not, vous comprenez ce qu'il dit? C'est comme ça, moi, je suis. Moi, je suis comme ça. Moi, je ne me fatigue pas. Je ne me fatigue pas. Et puis, I'm tired of myself to do pleasure. Moi, je ne suis pas blanc. I'm not white. Si il est trop curieux, il faut aller loin. Mais voici Adidier. If I travel along, I find vous comprenez ce qu'il dit? Donc les enfants. My native city, Didier. Le Saint-Esprit a so sa children, this Holy Spirit has his c'est le conseil que je vous donne. So it's the advice I give parler. You. Quand tu parles. Speak. Et puis quand tu parles beaucoup en langue, le speak. Diable ne peut pas te parler. Speak. Parce que le diable, il a deux partenaires. Highly deux partenaires. Tongue, devil cannot speak to you because ton entourage et puis ton âme. Your mais quand tu parles beaucoup en langue, soul. Le Saint-Esprit contrôle ton âme. But when you so much speak in tongue, the Holy Spirit je vous dis la vérité. Your souls. Il contrôle ton âme. He controls et puis soul. Quand tu parles beaucoup en langue, when que tu es beaucoup rempli du Saint-Esprit là, les choses qui vont venir là, Dieu te dit. Dieu ne pas dit que come, the Holy Spirit tells Dieu you. Le monsieur devrait m'appeler. J'ai dit à maman. Mais c'est toi tous les jours les choses tu prennes. Pourtant, c'est toi qui es maman d'église, papa d'église, tout le monde qui est truc. Il y a une chose. Si normalement, vous êtes les enfants du prophète Samuel, définis comme tel, normalement là, si quelqu'un m'appelle là, c'est pour m'envoyer l'argent. Et c'est ça que je veux qu'on arrive là. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu as prié, tranquille. Tu fais tes pouces, tu rentres le soir. Prayer, ah, papa, je suis parti là, il a attrapé un boutier. Voici une cuisse pour toi. Voilà mon salaire, papa, voilà ça. Voilà, c'est normal. C'est parce que, il y a une chose. Dire que moi, professeur Samuel, je peux contrôler la vie de tout le monde, c'est pas possible. Est-ce que moi, je peux contrôler ma vie? Parce que Dieu dit que si tu vis, ce n'est plus. Toi qui vis, et Paul dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que Dieu dit quoi? C'est moi pour le pouvoir de faire. Donc, je vous explique la vie de l'esprit. Quand tu lèves le matin, tu combattes. Tu t'en vas, le Saint-Esprit avec toi. Tu as gagné l'argent. Le Seigneur dit celui à qui on parle, celui qui vous prêche l'évangile, vous partagez, c'est bien. Tu viens, tu me donnes l'argent, c'est fini. Non, j'ai fait un rêve. Reste de ton rêve là. Mais don't comprends come pas. To me saying, no, I had a dream. If that way, mais avec that l'enseignement way. Que nous avons là, normalement, tout le monde devient pasteur ici. Même les enfants que vous voyez là, ils dorment là. Les enfants là même là, me rendent témoignage à la maison là. Les enfants, ils sont presque pasteurs. Even our kids, you see here, I have some testimony. Mais c'est tous les jours, vous, even more than pastors. Tellement que vous êtes paresseux. But you are paresseux. So much lazy. Ils ont, comme moi, je parle quand même, maintenant, ils ne peuvent plus m'appeler. Donc maintenant, ils ont l'air pasteur second. Son I speak that way, they cannot call me or explain the problem. They have the other pastors or prophets. Quelqu'un même Dieu le connaît pas. Somebody who God does not even vous comprenez ce que recognize. Vous comprenez ce que j'ai dit? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Put your hand together. Donc on va prier. So we pray. Aujourd'hui, today, on va prier. Il y a beaucoup ici qui ont le Saint-Esprit. Beaucoup. There are many here who receive the Holy Spirit. Many. On dit on va prier. Elle a tous les jours elle dort à l'église. Tous les jours, il n'y a pas un jour elle dort pas à l'église. On va cotiser, on va payer un lit, on va mettre devant ici là. Pico lit pico. Tous les jours elle dort à l'église. Et quand tu as dit non, ils ont des raisons. Les enfants se tiennent debout à prier. Children, will you stand up and we pray? Tu vas prier. Après, on va prier. Tu vas prier. Tu vas prier. Et puis, tu vas passer au niveau supérieur. Tu vas commencer à parler la langue. Alléluia. You will start je veux que chacun de nous expérimente. Alléluia. Intelligently, vous allez voir que c'est très intéressant. Vous allez voir que c'est intéressant. Prions. Tu peux commencer à parler la langue maintenant. Ou bien devenir intelligent. Tu vas voir que Dieu va te faire passer de l'autre côté. Prie. Tu vas voir. Prie. Ceux qui sont en direct également.
Aujourd'hui, c'est la deuxième heure qu'elle a. Le parler en langue. Et dit quand Dieu, on a fini de prêcher, Dieu confirme. Prie. Tenez-vous debout tous. Will you stand up, Paul? Pray. Rien de l'ébéke chiriba sato koba sant michinikosi. Rika oko michiriba sant michiriko soto kobo suba sini michinikosi. Rimaka sakoro baka sini michiriko sant michinikosi. Rikelebeke sini bo sort michiriko sakobosi. Rimaka sakoro. Rinelebeke sereko so. Rimoko chiriba kasi michiriko sant michinikosi. Rikelebeke sini michinikosi. Riamoko sokoro baka sini michinikosi. Ribaka sakoro baka siri bichiri ko sant bichiri ko si. Ariane dele beke sere ko soro beke si. Rikiri baka siri bichiri ko sant bichiri ko si. Ribaka koro baka siri bichiri ko si. Ariane dele beke si. Riki koro baka siri bichiri ko soro baka si. Ribeke siri ba so. Ribaka koro baka siri bichiri ko si. Rikiri baka sere ba si. Ribaka sakoro baka siri bichiri ko si. Priez. Ceux qui sont en direct également, priez en langue. C'est là que le Saint-Esprit te donne de prier. Il ne faut pas te retenir. Prie. Rimaka sakarabaka sidibi shiriko sotokobosu. Rimeke sidibi shiriko si. Rindelebeke sidibi shiriko sotokobosu. Rimaka satakaba sidibi shiriko satakibi shiriko si. Rindelebeke sidibi shiriko satakaba si. Rikao ba sidibi shiriko si. Rimaka sakoro baka sidibi shiriko si. Rikao raba sakobosu bishiriko. Rindelebeke sidibi shiriko sotokobosu. Rumaka sakaro baka siri bichiri kosi. Rindelebeke si. Rimoko soto kobosu. Rikarabaka siri bichiri kosi. Sant bichiri kosi. Rindelebeke siri bichiri kosi. Rikoro baka siri bichiri kosi. Sakobosi. Rimaka siri bichiri kosi. Sant bichiri kosi. Rikerebeke siri bichiri kosi. Rumaka sakoro baka siri bichiri kosi. Rikarabaka siri bichiri kosi. Rindelebeke si. Rikirimoko soto kobosu ba siri bichiri kosi. Rindelebeke siri bichiri kosi. Rimaka satakabasi. Ridelebeke sidi bichiri ko satakabasi. Rikerebeke sidi bichiri ko si. Ribaka satakabasi. Regardez, des gens qui doutent. Dieu parle à l'esprit, mais vous doutez. Ouvrez la bouche, Dieu va parler au travers de vous. And you doubt, so open your mouth. Ne doutez pas. Ouvrez la bouche. Open your mouth, don't doubt. Ne forcez pas ça à venir seul. Don't think that it will come alone. Les enfants, tout le monde. Children, all everybody. Priez. Pray. On ne force pas. Ça vient seul. Rimaka korobaka siri bichiriko sant bichiriko. Rikarabaka siri bichiriko sant bichiriko korobaka si. Rikarabaka siri bichiriko si. Rindelebeke siri bichiriko si. Ripaka sakorobaka siri bichiriko si. Riandelebeke si. Rikiriboko sotokobo suba siri bichiriko si. Rimaka siri bichiriko sant bichiriko si. Rindelebeke si. Rikiriboko sotokobo suba siri bichiriko si. Priez, ouvrez la bouche. Ne te retiens pas. Rimaka korobaka siri bichiri kosi. Rindelebeke siri bichiri kosi. Rimaka korobaka siri bichiri kosi. Rindelebeke si. Rikao korobaka siri bichiri kosi. Rimaka satakaba siri bichiri kosi. Pray. Rindelebeke siri bichiri kosi. Rimaka satakaba siri bichiri kosi. Rikarabaka si. Rimoko sotokobo subasi. Pray. Ouvre la bouche et prie. C'est le Saint-Esprit en toi qui prie au travers de toi. Prie. Rikarabaka siri bichiri ko sant bichiri. Rimoko soto ko bosuba siri bichiri ko si. Rindalabaka siri bichiri ko si. Rikaba siri bichiri ko so. Rumaka siri bichiri ko si. Rindalabaka siri bichiri ko soto ko bosu. Rumaka sata kabasi. Riandalabaka siri bichiri ko si. Rikiri moko so. Rimaka sata kabasi siri bichiri ko si. Rikiri moko soto ko bosu. Rumaka siri bichiri ko sata kabasi. Riandalabaka siri bichiri ko si. Rikiri moko soto ko bosu. Rumaka sata kabasi siri bichiri ko si. Rindalabaka si. Rikiri moko soto ko bosu. Rumaka siri bichiri ko si. Rindalabaka si. Rikiri moko soto ko bosu ba siri bichiri ko si. Prie. Faut pas te retenir. Faut pas te retenir. Libère. Faut prier. Prie. Ça vient. Prie. C'est naturel. Rimoko soto kobosu basiri bichiri kosi. Rikalabakasi.
Rimakasata kabasini bichirikosi. Rindelebekesi. Rikorobakasini bichirikosati bichirikosi. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Même les enfants priaient. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci. Parce que tu es en train de défier tes enfants quand nous sommes en force sur le plan spirituel. Nous voulons sincèrement te dire merci. Merci Saint-Esprit. J'annule l'onction. J'annule l'onction. L'Esprit est soumis au prophète. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous. Je voudrais savoir, qui sont ceux qui, c'est pour la première fois, et pas la langue. Levez les mains. Tenez-vous debout. Pour la première fois. Vous parlez la langue pour la première fois. Voilà. Levez-vous. Pour la première fois. Vous parlez la langue. Levez-vous, levez-vous. C'est la première fois que vous parlez la langue. Vous voyez, non? Vous voyez? Je vous explique. Il y en a encore, mais vous avez honte. C'est la première fois que vous parlez la langue. Vous avez vu... Attends, Dieu m'a parlé de quelqu'un. Hé, hey, ma fille, c'est la première fois que tu parles en langue. For quelle est la pensée qui est dans ta tête actuellement? Church is your first time to speak in tongues. Quand tu as fini actuellement, quel... After finishing in qu'est-ce speaking que tu reçois? Tongue, non, what do you receive? Un soulagement. Voilà, parce que quand tu parles, quand tu es beaucoup chargé, parce que c'est le diable qui t'assaille. When your mind is so filled quand tu parles la langue, parce que la Bible déclare que tongue, quand tu parles la langue, tu as la pensée de Dieu. Donc, c'est-à-dire que toutes ces charges-là, tu vas voir que Dieu va te dire que ce n'est pas un problème. Il va te consoler. Vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, le parler la langue est très important. Quand tu sais, quand tu as la croisée des chemins, comme le disent les païens, et puis tu vois, tu ne sais plus comment penser là. Tu demandes au Seigneur, tu commences à prier de manière intelligente. Et puis, paf, ça passe là-bas. Parle la langue. Quand tu finis là, tu seras léger.
Et puis Dieu va te parler dans ta pensée pour dire ma fille, je te console. Il y a une bonne chose. Tout à l'heure on a dit que Dieu console, non? C'est quand tu as parlé avec lui qui va te consoler. Donc pour que Dieu te console, si tu parles de manière intelligible, il ne te console pas. C'est quand tu parles sa langue. La langue du Saint-Esprit, c'est là qu'il te console. Ouais, non. Et donc tu disais quoi? Ma fille, quoi? Attendez, s'il vous plaît. Oui. Voilà, il te montrait beaucoup de choses. C'est comme ça. Et ma fille, de l'autre côté, hein? Une forte migraine. Tu sais pourquoi? Et qui a finalement? Toi. Voilà. Tu sais pourquoi? Vous savez pourquoi vous avez les migraines? Vous avez les migraines parce que quand tu parles la langue, le Saint-Esprit vient s'incarner et il vient s'incarner dans ton esprit. Et donc, il y a le feu. C'est le feu qui fait que tu penses qu'il y a migraine. Donc, vous voyez voir. Quand par moment tu parles la langue, mais puis c'est fort là. Par moment là, comment on appelle ça ici là, ton front là, ça chauffe. Sometimes when you speak in tongues, your forehead. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Maintenant, quand vous avez fini de parler en langue là, ne vous dispersez pas. Parce que un moment, ça s'est coupé. Lui va arrêter de parler. Quand il arrête de parler, quand vous avez causé là, lui va traduire. Interprétation des langues. Donc tu es là maintenant, il va te dire, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et il a dit qu'il annonce les choses à venir. Donc faut pas discuter. Don't disperse yourself. Si tu as discuté, il ne te parle plus. Don't discuss what he tells you. If you discuss, vous avez bien compris maintenant? Vous avez bien compris? Vous avez bien compris? C'est un nouveau départ de la vie chrétienne. The new departure for Christian life of some of you. On ne force pas. Vous avez vu que c'est venu seul, non? On ne force pas. Selon que le Saint-Esprit lui a donné de s'exprimer. Donc, à partir d'aujourd'hui, il est le conseiller par excellence. Devant la situation, tu parles, tu pries, Seigneur, voilà mon entreprise, tout ça. Il va te faire passer là-bas. Parce que quand Dieu pour te parler là, il va te faire, il va, je ne sais pas comment vous dire, c'est automatique. C'est comme les Congolais là. Vous voyez la musique là, non? Il commence doucement. Et puis après maintenant, il passe le coup de pied. Non, nous tous on est chaud maintenant, on est en train de danser. C'est la bouche. Le Saint-Esprit, tu commences de manière intelligente. Français, baoulé, bété, tout cela. Arrête à un moment donné là. Paf! Il te fait passer là-bas. Parce qu'il veut te parler. Quand tu as fini de parler, reste tranquille. Il va traduire ça pour toi. Tu vas voir que la vie chrétienne est très facile. Alléluia. J'ai dit alléluia. Maintenant, on va faire. Asseyez-vous, s'il vous plaît. On va faire une deuxième prière. Down, please. We do the second prayer. On a commencé la prière par la fin, le parler en langue. We start the prayer. On va commencer maintenant par l'onction. Speaking tongue. Now we. Il dit que quand il a reçu l'onction là, sa vie a changé. The anointing, his life has changed. Un homme là, il a trois vies. A man has three. La vie spirituelle, a life, la vie financière, financial et la vie matérielle. Si tu n'as pas les trois premiers, you know, three dimensions of life, you don't have nothing. Ouais. On vient de finir spirituel là, non? We just finished the spiritual one. Hein? On va prier. Now we pray again. Priez le Seigneur. Pray the Lord. Pour que dans vos domaines d'activité, ceux qui nous suivent, vous pouvez prier avec nous. Après, vous pouvez, après, même si on a fini, vous pouvez prier parce que le Dieu lui il passe pas. Le même hier aujourd'hui, actuellement. Même 1000 ans après, si tu tombes sur ce message, tu pries, Dieu va faire pour toi. You can find it again and pray with. Je vais prier pour vous. Vous comprenez? Pray pour que for you. Le Saint-Esprit qui est en vous active l'onction. Dans chaque domaine d'activité, dans vos différents domaines d'activité, si tu vas maison, des marcheurs, if you sais pas quoi. Nowadays, si tu es spirituel de chaussures, majority, si tu vends quoi encore, galettes, si tu vends, or you polish shoes, or you sell donuts, tu es un homme d'affaires. Ça, all this, pour que vous sachiez for you to know que sans Dieu, that without God, we are nothing. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Et donc, so,
quand tu finis de prier en langue, when you finish praying in tongues, le Saint-Esprit en toi, the Holy Spirit is in you, ça déclenche struggles, l'onction. The anointing. Vous comprenez? Do you understand? Quand ça déclenche l'onction, là, struggle, comme elle a dit, l'onction est déclenchée, elle voit maintenant, elle a maintenant les visions. She saw dit comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Faut pas discuter. Anymore. Parce que la Bible déclare que c'est des choses que les yeux n'ont jamais vues. Because the Bible says there are things I have never seen. Dieu va pas te donner quelque chose. God will not give you something. Où vous serez deux dessus. That you can be a boat on it. No. Vous comprenez ce qu'il dit? Do you donc, understand? La vie de l'esprit, on est en train d'expérimenter. So we are experiencing. Arrivé à la maison là. A pas d'aujourd'hui? Peut-être que tu étais distrait. Donc, le Saint-Esprit n'a pas pu déclencher le parler en langue. Arrivé à la maison là, comme tu seras seul, comme tu vas pas avoir honte. Il faut commencer à prier. Ça va passer là-bas. Room, comme tu es seul, tu n'as pas honte. Parce qu'il y a des gens, ça peut venir, mais ils ont honte. Regardez, j'ai vu des gens comme ça. Qui va te regarder? Ici, là, chacun se cherche. Donc, on se tient debout, je veux prier. So will the people of God stand up and I will pray. C'est moi qui prie. I'm the one that pray. Vous qui nous suivez en direct également, you même si c'est après, live, cette prière aussi peut vous faire du bien. Can do good to you. Seigneur notre Dieu, Lord our God, tu as dit you said que notre maître, our master, Jésus, Jesus, recevant le Saint-Esprit, receiving ça a créé l'onction de l'élévation. Il était charpentier. He was carpenter. Il a été le meilleur charpentier he au monde jusqu'aujourd'hui. The best carpenter in the world. Tu connais les activités you know de chaque de tes enfants ici. Of your children here. Avant, before, on pensait que le Saint-Esprit s'était tombé dans les prophéties. Down, non, prophéties. Non, no, no. Non. Mais le Saint-Esprit est dans notre vie de tous les jours. The Holy Spirit is now c'est pour cela, papa. Life, that's why. Je prie ce matin I pray this morning, que toutes les personnes all the people, présentes devant moi, present before me, Lord, les élèves, pupils, les étudiants, students, les hommes d'affaires, the businessmen, les femmes d'affaires, businesswomen, les travailleurs, the workers, papa, daddy, toutes les personnes all the people, qui font quelque chose de leur vie. Something with their life. Dans la vie, in the life, je prie I pray, Lord, que l'onction that the anointing du Saint-Esprit of the Holy Spirit se déclenche move pour chacun for each one dans ses activités. In their activities. Parce que chacun peut avoir une activité, deux activités. Some can have one dans or ses, two dans or leur activité, in their activities, je déclenche cela, papa, I make it par la puissance du Saint-Esprit. By the power à partir d'aujourd'hui, today, ils seront présentés that will be introduced dans leurs différentes activités. Different activities. Qu'elles soient au travail. Peut-être qu'il y a chauffeur. Maybe it's the driver. Maybe it's the doctor. Il est pharmacien. The pharmacist. Je ne sais pas ce qu'ils sont, papa. Mais chacun, but each one, dans son activité. In his activity. Peut-être qu'il est maçon. Maybe it's mason. Peut-être qu'il est menuisier. Maybe it's a carpenter. Peut-être qu'elle va au marché. Maybe she's selling the market. Peut-être qu'elle est restauratrice. Maybe she's a restaurant keeper. Elle est coiffeuse. Or she's hairdresser. Il est coiffeur. Or is it papa, barber. Je ne sais pas. Daddy, I don't mais know. Tous ceux qui me regardent, all those who are tous ceux qui sont ici, all those who are here, je déclenche l'onction. I make move l'onction de l'activité. L'onction de l'activité. Parce que tu dis, because you say, tu mets la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Those who don't serve Père éternel, notre Dieu, l'onction est déclenchée par le Saint-Esprit. By the Holy Spirit now. À partir d'aujourd'hui, today, tu n'es plus eux qui vont vendre. They will no mais c'est l'onction. C'est l'onction qui va faire le travail. C'est l'onction qui va faire le commerce. C'est l'onction qui avait toutes les activités. Père, je voulais te dire merci. Father, et je plonge tout le monde dans le sang de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Thank you, Father. Merci, Papa. Thank you, Father. Merci. Thank you, Father. Merci. Thank you, Father. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Can the child of God put his hands together? What a word of God. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Will you sit down, please? Vous voyez? Do you expérience par expérience. Je priais de manière intelligente.
en français. Mais arrivé à un moment donné, sans le vouloir, il m'a fait passer en langue. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'il voulait vous donner, qu'il vous a donné, il ne veut pas que le diable sache. He has made me pass another way because there are things he wanted to give you, didn't want the devil to know. Oui, c'est comme ça. It is that way. Expérimentez ça chaque jour. I want people of God vous allez voir que les rosicruciens, la franc-maçon, tous ceux qui se disent qu'ils sont dangereux là, ils ne pourront plus vous regarder en face. Dangerous witch cannot look at you in the face. Quand les cœurs se convertissent, because when their hearts are converted, the Lord, et le Seigneur c'est l'Esprit. The Lord is the Spirit. Notre vie est de quoi? De gloire à our life goes sur from glory to que glory le Seigneur maintient dans la bénédiction. Enfin, offrande de ministère, comme je l'ai dit, les enfants, l'offrande du ministère, là, que ce soit important dans nos vies. Et aujourd'hui aussi, il y a offrande de moi aussi également. Donc, prends ton offrande de ministère, nous allons prier. Will you take your ministry offering? Vous avez été béni? Have you been blessed? On se tient debout, s'il vous plaît. Will the people of God stand up? Prends ton offrande de ministère, s'il te plaît, take dans la main droite, ministry, s'il te plaît. Offering tiens-toi right debout, s'il te plaît, je vais prier. Rise up? Je vous ai dit que Dieu m'a parlé. Told you that God spoke si to tu as me, les moyens, au moins 1000 francs, envoyez. Moi, il donne 50 000. At least you cannot bring, et Dieu me dit maintenant qu'il va m'enseigner encore en profondeur. Thousand and God tell me that we teach me deep of his word again. Prions le Seigneur. Père éternel, notre Dieu, nous voulons te dire merci. Father, I want to thank you. Sincèrement, je dis merci. Honestly, I thank you, Lord. Tu nous as bénis. You're en guise de reconnaissance, voici nos offrandes. Je sais que tu l'as déjà agréé. Nous voulons te dire merci. Thank you, Lord. Maintenant, je voudrais parler à tous mes enfants qui sont ici. Femmes comme garçons. Avant chaque rendez-vous là, priez en langue avant de partir. Vous avez compris? Before each appointment, pray in tongue before going. Merci Saint-Esprit. Fidélité, je dirai toi, ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom.